Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de la deuxième semaine de LFL. Messieurs, pour m'accompagner, et bien comme hier, la fine équipe, Cracmo et Tréton. Messieurs, comment ça va? On va commencer par Cracmo. Bah, ça va très bien, je suis très heureux d'être ce soir pour analyser cette LFL. Donc voilà, très content. Super, et Tréton, rapidement. Bah, très content aussi, écoute, pressé que les matchs commencent. Presque trop long, Tréton. Alors, très bien, donc après ces présentations, bon, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle journée d'action de la Ligue française. On a un récap vidéo de la journée d'hier, parce que messieurs, ça a été une journée avec quelques matchs assez fous. On va revenir bien sûr en vidéo sur tout ça, mais il y a des choses à dire. Déjà, messieurs, ce Easy Dream Vitality qui a commencé très très fort le match. Enfin, la journée, pardon. Easy Dream a très très bien joué. Ils ont joué groupé, ils ont joué ensemble. Et derrière, bon, les joueurs sont bons de base. Et Leaf qui a fait vraiment une grosse game aussi. Je pense que Vitality n'a pas su prendre les fights sur leur bon timing. Notamment le dernier fight, on a vu, il leur manquait 10 secondes sur les flashs, il me semble. Et sinon, ils allaient gagner tous les fights. Mais Easy a très très bien joué cette game. Très belle composition, beaucoup aimé le fait de mettre Toaster du coup sur le Wukong et Noline sur la Senna. C'est vrai que c'était un choix qu'on aurait pu contester mais qui a très très bien fonctionné. Et on le revoit ici, c'est une composition assez simple à jouer pour les Z-Dream. Et pour se remettre en confiance, quoi de mieux qu'une bonne grosse compo teamfight qui les fait remporter une game contre Vitality B, c'est pas n'importe qui. Oui, et du coup ça met Vitality B un peu dans l'embarras pour l'accès aux places des European Masters bien sûr. MCES Game World, alors c'était sans doute le moins bon match d'hier, Tréton. On s'est retrouvé avec des MCES qui ont eu... a du mal à jouer tout simplement et le mid-game a été assez facile pour Game Ward. Malgré une bonne game de Kikis pour le coup, en tout cas en laning phase, on a eu du mal à avoir le push sur la botlane, ça les a vraiment beaucoup bloqués dans le développement de leur game. Ils ont eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là et du côté des Game Ward par contre ça a relativement bien joué même si c'était pas leur meilleure partie. Sylam a été excellent sur son Ezreal, il a pu ici comme vous pouvez le voir 1v9 totalement tous les teamfights, personne ne pouvait aller le chercher. C'est vrai que c'était une game frustrante à regarder et comme nous le disait Karim, c'était frustrant à jouer pour lui aussi, beaucoup voilà, de catch qui ont été faits. Alors messieurs, ça c'était le match un peu, enfin bon, il y a eu des surprises hier, mais Solari contre Gamers Origin, ça a été un match assez fou entre les deux équipes. Solari qui domine l'early et le mid game et Gamers Origin qui comeback à la force des bras et des shockwaves de tout couille. C'était une game vraiment incroyable hein, entre les deux équipes, les Gamers Origin qui ont su tenir très très longtemps dans la partie, qui ont pu comeback après grâce à deux très bons carries, tout couille et Smiley qui ont fait vraiment une très très belle performance. Du côté des Solari par contre, leur late game était très bon, le main game je l'ai beaucoup apprécié, c'est juste après une fois qu'on a passé les inhibiteurs qui a eu un peu plus de mal à terminer la partie, mais hormis ça c'était du solide du côté de Solari. C'est vrai que Solari n'a pas su terminer cette game mais en face ça a très très bien joué les teamfights et je pense qu'ils ont vraiment eu du mal à jouer les teamfights entre Shemek, Tukui et Smiley qui ont très très bien joué les fights, c'était compliqué pour Solari quand même. Et messieurs, le Misfits première contre LDLC OL, c'était le match qu'on attendait le plus hier entre les deux équipes toujours invaincues de la Ligue, ce n'est plus le cas pour l'une d'entre elles et pour l'équipe qui a subi la défaite, ce sont les Misfits première, mais on a eu de l'action, Tréton. On a eu beaucoup d'action, on a eu ce pic d'Akali qui n'a pas fonctionné contre la Leblanc de VTO qui a été encore une fois monstrueux dans le match. La bonne nouvelle du côté de LDLC OL, c'est que Xeki a fait sa première réelle bonne partie, je pense, où vraiment il a été excellent, il a pu carry, ça pourrait être une game de référence pour ce rookie et ça pourrait annoncer que du beau pour l'LDLCEL qui pour le moment sont au-dessus de la compétition. Ouais, seule équipe invaincue, on vous le rappelle, hein, bien sûr ils n'ont pas gagné le Spring Split de la LFL mais ils ont remporté les European Masters qui est le but ultime un peu de toute équipe nationale. Et quel Skarner aussi, Skarner qu'on voyait en plein milieu du fight et qui détruisait absolument tout le monde. Je pense aussi qu'en y repensant, le first pick Kalista a été très bien puni par l'équipe adverse, elle avait du mal vraiment à DPS contre la composition ennemie, donc peut-être une erreur de ce côté-là, first pick Kalista. Bah, elle avait un bon early, mais le problème, c'est qu'effectivement, la draft des LDLCOL s'activait à partir de la fin de l'early game, du mid game contre elle. Et oui, après, passer les 15 minutes de jeu, le match était plus difficile. Jésus a beaucoup tenté pourtant. Jésus a beaucoup tenté et je suis assez d'accord avec Rakmo que c'est vrai que le first pick Kalista est osé. Maintenant, dans la draft, s'ils arrivent à prendre de la priorité sur la mid lane notamment, ça peut fonctionner. Ils peuvent aller chercher des dives, aller chercher des dragons. Et le fait d'avoir pris cet Akali, pour moi, c'est la vraie erreur parce que d'ailleurs, on se retrouve sans priorité mid lane. On peut pas jouer le Drake, on peut pas jouer le dive non plus. Et ça les a un petit peu bloqués dans leur game. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Je sais pas vraiment quel champion ils auraient pu prendre parce qu'il fallait vraiment quelqu'un qui puisse follow-up les catchs de l'équipe Misfit. Et quelqu'un qui puisse deal des gros dégâts. Et c'est vrai que peut-être qu'ils sont enfermés dans une draft auquel ils n'avaient pas de réponse pour la mid lane. Moi, j'ai quelques champions.
à suggérer. Tu kiffes Silas, toi? Je reste persuadé que contre Leblanc avec Sege, c'était difficile d'avoir un meilleur combo, mais je suis pas sûr que Ronaldo soit très expert. C'est vrai qu'il y avait Lissandra aussi. Lissandra, pour le coup, dans l'idée de sécuriser Dragon Early, de dive bot lane, ça peut être un champion qui fonctionne. Peut-être un peu manque de dégâts si on prend Lissandra, du coup. Il y a chaque champion peut avoir ses mauvais côtés, mais je pense qu'il y avait d'autres options que Akali qui perd le match-up, quoi. Et ça a coûté cher. On va parler du classement, du coup. Quelle est la situation? Vous le rappelle, on est bientôt. On aura d'ailleurs derrière un asset qui vous permettra de bien visualiser l'échéance des European Masters qui arrive. Le classement LDLCOL. Invaincu en tête, ça ressemble un peu au... Alors non, je dis que ça ressemble au début du Spring Split, mais LDLCOL avait perdu son premier match. Exactement. Ils avaient perdu leur premier match. Et après, ils avaient tout gagné jusqu'à un long moment. Ils avaient perdu leur premier match contre Vitality B, malgré une très belle rentrée en match de VTO. Et ce coup-ci, ils ont gagné contre Vitality en premier. Vitality B maintenant, qui est vraiment en difficulté dans ce classement. Et c'est vrai que LDLCOL, ils sont déjà qualifiés en play-off. Ils sont pas loin d'être déjà qualifiés en European Master avec ce 4-0. Donc vraiment, ils peuvent être sereins. Oui, absolument. Et par contre, Cracmo, du côté des équipes à 1-3 et 0-4, bon, on va compter MCES quand même, parce qu'ils sont pas sortis de l'équation, eh bien, il va falloir se battre pour cette dernière place de play-off, de play-off de mi-saison, donc qui permettront de se qualifier aux European Masters. Et il n'y a plus que 3 matchs pour faire la différence. Tout va commencer à devenir très tendu pour ces équipes. Et justement, clairement, le calendrier, vous le voyez, on est actuellement le 5 août et la semaine prochaine, vous le voyez, 11-12, les deux matchs de LFL restants après cette semaine et après les qualifications de mi-saison pour les European Masters qui suivent. C'est les play-offs de LFL pour se qualifier en European Master qui s'enchaînent directement. Et évidemment, il y a des dates qu'on n'a pas mis ici, mais dans les deux semaines où vous voyez une pause de LFL, en fait, c'est parce qu'il y aura beaucoup d'European Master qui vont être joués et ça va aller très très vite. Pour les équipes qu'on envoie en European Master, le calendrier sera plus que chargé. Ouais, et derrière, les dates que vous voyez en orange ou marron plutôt, donc en septembre, eh bien, ça correspond au final, au play-off du split. Donc voilà, vous savez où on en est et vous avez compris que pour accéder aux European Masters, qui est un peu le Saint Graal lorsque tu joues en Ligue Nationale, eh bien tout se joue aujourd'hui et également les deux journées de la semaine prochaine et après on aura ces playoffs de mi-split. Voilà, on va maintenant passer un peu plus au vif du sujet, messieurs, puisqu'on vous a préparé un petit focus sur MCES. MCES qui ont annoncé aujourd'hui, là, cet après-midi, le truc, c'est il me semble en plus que la structure a rien dit, mais Kikiz, de son côté, a dit qu'il ne jouerait plus pour MCES. Il remercie le staff, la structure, pour le temps passé là-bas. Temps assez court, finalement. On parle de Underdogs et de ce début de split. Mais Kikiz ne fait plus partie de l'équipe, messieurs. Clairement, ça a été annoncé par Kikiz. C'est vrai qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Il était pas dedans. Alors, est-ce qu'il était pas dedans ou est-ce qu'il était juste pas au niveau? Il faisait clairement des erreurs de base et ça, c'est peut-être, ça vient peut-être d'autres facteurs externes et voilà. Donc ça a été un début compliqué pour Kikiz. Est-ce que avec un nouveau top laner, est-ce que MCES va réussir à regagner son prestige? Le nouveau top laner là, parce que... Est-ce qu'ils l'ont annoncé? C'est la question. On sait qui c'est, mais est-ce qu'on peut en parler? Ah oui, coup, c'est ça le truc. Régie, aidez-nous. Je pense que oui. Bon, écoute, c'est parti. Allez, ça a été annoncé. Donc, Cracmo, parle-nous de Lingui, jeune joueur français. Alors moi, je suis très content de voir Lingui en LFL. J'ai joué longtemps avec lui. J'ai joué contre lui, notamment en 1 contre 1. Il a atteint la finale contre moi. Et tu l'avais explosé, évidemment. Et je l'avais explosé. Mais après, on était sur la mid lane, donc... C'était plus facile, mais c'est un très gros joueur de 1v1. Il a un style de jeu très agressif en lane. Il a fait un très bon premier split de LFL Division 2. Donc, il évoluait chez MCES Academy. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous produire ce soir et dans les prochaines journées de LFL. Ok, donc jeune joueur français prometteur. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. On est tous curieux de voir son arrivée. De toute façon... il arrive dans une équipe qui est dans le dur, donc est-ce qu'il va réussir à apporter son petit truc? Faudra pas le juger trop durement, vu la situation de MCES, je pense. Il remplace Kikiz, donc il remplace le nom, mais en termes de joueur sur la top lane, Kikiz n'a pas été très très bon, donc il a peut-être pas non plus tant de pression que cela. Je pense que pour lui, il faut juste qu'il prenne du plaisir et qu'il s'amuse dans la LFL et qu'il voit un petit peu qu'il tâte le niveau des top laners français qui est quand même assez haut.
Et je pense qu'il va apporter un regain de motivation à l'équipe parce qu'il est vraiment très motivé à rejoindre la LFL. Et ça peut insuffler une nouvelle énergie à l'équipe et ça peut vraiment être intéressant. Donc, hâte de voir ça. À suivre. On va suivre cette rencontre avec attention, bien sûr. On a d'autres choses dont on voulait parler à propos de MCES, messieurs. Du coup, on en profite. Il y a eu ce changement qui n'était pas forcément prévu quand on a préparé nos sujets. Mais voilà, on voulait parler un peu de l'early game et de l'état actuel de MCES, messieurs, puisqu'il y a des statistiques qui laisse réagir quand même du côté de cette équipe. Alors, notamment, l'early game. On voulait parler de l'early game de MCES, puisque tout ça est à mettre en relief avec les statistiques de Joko qui sont excellentes à ce niveau. Et l'early game de MCES, en général, est plutôt dans la moyenne de la ligue, messieurs, quand on regarde. Quatrième équipe en termes de goal diff à 15. Tourelle à 15 minutes, c'est bien également. Quand on regarde, c'est pas du tout les stats d'une équipe dernière qui est en 0-4 actuellement. C'est les stats d'une équipe qui est en 2-2, voire même en 3-1. Et on voit que l'early game, en tout cas de MCES, est toujours très très dangereux pour les équipes. Mais c'est un petit peu comme le split précédent, c'est que ça pêche beaucoup trop en mid-game. Clairement, on est sur des similarités avec le Spring Split où ils étaient vraiment devant en early game et derrière, ils n'arrivaient pas à capitaliser là-dessus. Et encore une fois, c'est surprenant avec des joueurs qui ont autant d'expérience de voir ces stats et de voir qu'ils n'arrivent pas à transitionner dans le mid-game et dans le late-game. Totalement d'accord avec Joko et Moop, c'est quand même c'est des encyclopédies de League of Legends, en tout cas en France. Ils sont très bons, ils sont capables d'aller chercher de la vision là où il faut, quand il faut, de faire les bons calls. Et c'est vrai que c'est bizarre de voir que l'équipe à chaque fois n'y arrive pas, mais aussi il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se font catch un petit peu en random, bah. Kikis le faisait, Sadi aussi un petit peu le fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où juste des joueurs se font catch et du coup ils perdent tout un timing, ils n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à accélérer. On va regarder d'autres statistiques individuelles pour aller un peu plus loin et juger un peu de la qualité des laners des MCES. Et c'est là où le bas blessait un peu, puisque après on vous montrera les statistiques individuelles de Joko. Mais il semblerait, messieurs, que le seul laner sur lequel on puisse vraiment se reposer, c'est vraiment DK du côté des MCES. On va voir avec l'arrivée de Lingui si la top lane devient un endroit d'où on peut snowball et sur lequel on peut s'appuyer pour Joko. Mais dans la version précédente, il y avait seulement DK qui représentait une réelle force de laning et qui pouvait permettre un snowball, Crackmo. Exact. Je pense que DK a fait un premier split de LFL qui était incroyable chez Misfit. Là, il arrive dans une équipe MCES où c'est un peu compliqué, mais je pense que ça, c'est un des éléments solides de MCES. C'est un élément sur lequel on peut compter et je pense qu'il va arriver à débloquer la situation chez MCES également. Il faut que ça se fasse moins 4 chez MCES, mais il va arriver à carrer cette équipe. Plus d'organisation dans le mid-game. Et justement, vous allez voir le très gros point fort de MCES. On en parle régulièrement, mais voici des chiffres à l'appui. Joko et ses early games, messieurs, c'est un joueur qui domine ses early quasiment tout le temps. Vraiment, c'est la référence en France même en termes d'early game. Voyons voir. Alors bon, pas trop de First Blood, mais pour le reste, grosse domination en termes de gold diff et d'XP à 15 minutes. Il a du mal à gank, ça se voit dans les stats. Par contre, en termes d'avance en gold, tu viens de le dire, et même en termes de counter jungling, c'est vraiment de très très bonnes stats du côté de Joko, qui est capable de jouer pour lui-même et de se mettre devant. Maintenant, à voir, va voir qu'il arrive à jouer avec son équipe. Alors, est-ce que ça vient de lui le problème, ou est-ce que ça vient de son équipe, ou juste un petit peu des deux? C'est la grande question. Il faut qu'ils arrivent à se coordonner, à prendre des kills, à snowball sur des ganks. Vous parliez du playstyle hier de Joko et vous dites, je ne sais plus lequel d'entre vous qui disait et peut-être qu'il joue trop sur le jungler adverse et pas assez pour ses lanes. Mais en soi, c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner quand on voit un joueur comme Tinks par exemple qui explose le jungler adverse et qui lui met 3 levels de moins. Mais Tinks peut s'appuyer sur de meilleurs laners. Il a de meilleurs laners. Il a des laners qui font quasiment en permanence le push. Il a surtout des laners qui se sacrifient pour lui, qui vont donner absolument toutes les ressources, qui vont à chaque fois venir l'invade, quitte à perdre quelques creeps, une plate ou quoi. Vraiment en permanence, les laners de LCL vont jouer pour Tinks, ce qui n'est pas forcément le cas de Joko. Et encore, je pense que les laners essayent, mais ils n'ont peut-être pas la qualité nécessaire pour pouvoir aller l'aider. On a quand même vu, c'était contre MCES, contre Misfit première, où la botlane et la midlane ont invade avec Joko, justement, pour lui permettre de sécuriser. C'était le Blue Buff contre Kirei et d'autres camps. Donc, ils essaient quand même de soutenir Joko à ce niveau-là. Et je pense que le changement de gesteur pour DK, ça a aidé à ça, parce que DK est beaucoup plus disponible que l'était gesteur notamment.
Donc c'est des stats intéressantes parce que c'est vrai qu'il a une grosse grosse avance. Djoko, c'est peut-être le roi de leur league game, mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de ressources pour lui aussi. Est-ce que c'est la meilleure, est-ce que c'est le meilleur moyen de prendre les ressources? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que par exemple les Herald, je sais que quand il pose les Herald, il reste pour prendre les gold avec son laner. Est-ce qu'il devrait pas donner la totalité des gold à son laner? Ça dépend quel laner, mais pour moi, c'est Djoko et Didier qui doivent carrer cette équipe en termes de dégâts. À voir si Lingui va pouvoir faire une belle entrée en LFL et si lui aussi va pouvoir rajouter un petit peu. Mais pour le moment, il faut compter un maximum sur ce mid-jungle et ça va être prendre des ressources. Donc voilà, c'était le point MCES. On trouvait intéressant de discuter de l'early l'équipe parce qu'on en parle souvent, mais on vous a donné un peu plus de chiffres pour vous aider à comprendre la situation. Et ce qu'on peut dire, c'est que MCES a de bons éléments en early game, mais peut-être pas assez pour Snowball. Et derrière, par contre, en mid-game, ça ne clique plus du tout. Ouais, c'est vrai que c'est une période compliquée pour Djoko parce qu'il enchaîne les défaites alors qu'il était vraiment au sommet. Mais je pense que moi, je suis persuadé qu'il va revenir. Il a les capacités pour. Et même ses early games, ça nous montre vraiment qu'il est capable d'encore faire des grosses games. Et ça annonce du beau pour l'avenir, même si pour l'instant, c'est une période un peu sombre pour lui. Ce serait intéressant de les voir en BO5 en fait. MCS, c'est là où on verra vraiment pour cette équipe, c'est s'ils arrivaient à aller dans ces stages de BO5 et de playoff qui pour le moment sont quand même loin. Ouais, on n'y est pas encore. Mais on va voir à mi-saison là s'il n'y a pas une possibilité. On va passer à l'agenda, messieurs. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On a de beaux matchs devant nous. Gamers Origin contre MCES avec quelques tweets assez sympas qui ont été sortis. Easy Dream, Solari, LDLC, Game Ward. Ah oui, bon, écoutons. C'est qui? Y'a quelqu'un? Bonsoir. Bonjour. Mon dieu, la télé-réalité. Jeunette. Belle ref. Le mec de Mila. Enchanté, Ilona. Oh merde. Bonjour. Salut. Jeunette. Bien. Le mec de Mila. Ah bon? Oui. Oula. Salut, viens. Les gars! Y'a le mec à Mila! Le mec à Mila, bordel, il me fume. Je suis qui pour toi? On va discuter ici. Je suis qui pour toi? T'es mon ex. T'es mon ex. T'es mon ex. Tu veux sortir ça? Bonsoir. Je suis qui pour toi? On va discuter ici. Je suis qui pour toi? Donc voilà, bon, pour la référence, moi j'ai pas compris. Non, mais réponse histoire de dire que il va falloir que Gamers Origin se plie un peu à la volonté de MCES. Mais bon, voilà, MCES équipe de Marseille, on fait une petite référence aux Marseillais. Voilà, et Gamers Origin qui arrive pour imposer sa loi dans la maison des Marseillais. On va voir ce que ça va donner, hein, bien sûr, pour son premier match, messieurs. Easy Dream contre Solari, après match assez ouvert sur le papier, qui risque d'être très intéressant. On regardera au niveau des pronos ce qui a été avancé par chacun, parce que c'est un match qui peut diviser un peu. LDLC contre Game Ward, grosse rencontre en haut du classement en troisième. Messieurs, ça c'est un match qui va envoyer normalement. Un match où devrait avoir beaucoup de kills. Ça va être très intéressant de voir l'approche de Game Ward contre la DLCOL. Est-ce qu'ils vont jouer armes égales avec une draft relativement classique ou est-ce qu'ils vont essayer de partir sur un cheese? On les a vu jouer par exemple Karthus Nocturne, etc. C'est peut-être le moment de ressortir des stratégies un petit peu oubliées. C'est vrai que ça va être un gros match. Après, c'est vrai que LDLC est quand même très au-dessus de la compétition. Et ce qui marche pour Game Ward contre les autres équipes ne va pas forcément marcher pour LDLC qui sont vraiment bien à place. Et donc, ça va être un match intéressant à voir ce que les Game Ward préparent. Mais je pense que LDLC va dominer cette rencontre. Écoute, on verra. Troisième match de la journée, enfin de la soirée, on se donne rendez-vous. Missis première contre Vitality B, messieurs, c'est le match sur lequel on a décidé de se pencher un peu plus. Missis première est en bonne situation, bien sûr, ils font partie du top de la LFL. Ce n'est pas le cas de Vitality B actuellement au classement et Vitality B, l'urgence est là véritablement, messieurs, ce serait quand même assez terrible de ne pas voir l'équipe même tenter sa chance, avoir une possibilité de participer aux European Masters, jouer sa qualification, et c'est ce qui leur pend au nez si jamais on continue à afficher d'aussi mauvais résultats. Donc on va en parler, c'est notre deuxième focus du jour, cette rencontre entre Missis première et Vitality B. On voulait se pencher, messieurs, sur l'expérience des joueurs. Il faut savoir que dans ces deux rosters réunis, il n'y a qu'un seul joueur qui n'a jamais fait les European Masters. Il s'agit de Jésus, notre tout jeune Jésus, messieurs, mais à part ça, on a des rosters hyper expérimentés en soi.
Et de, bah c'est que des rosters qui ont, bah on le voit ici, tout le palmarès des joueurs, ils ont joué énormément de compétitions. C'est des rosters qui sont censés être au top de la LFL. Du côté Vitality, c'est même des rosters qui sont censés quasiment être en LEC en termes de niveau pur et dur. Donc ça va être intéressant de les voir jouer. Et c'est vrai que Jésus ici fait un petit peu le petit nouveau, mais le petit nouveau qui a totalement le niveau. Et c'est vrai que c'est bizarre pour Vitality de commettre le genre d'erreur qu'ils commettent, parce que vraiment, c'est des erreurs de base. Et je pense qu'il faut qu'ils se reconcentrent sur l'essentiel et que vraiment ils avancent comme ça. Par exemple, hier, on a parlé du dernier fight Vitality contre Easy. Moi, je pense qu'ils perdaient plus un fight s'ils avaient les flashs. Leur flash revenait dans 10 secondes et c'est Vitality qui a décidé de faire un catch là-dessus. Ils auraient pu attendre. Ils ont voulu forcer à ce moment-là et je pense qu'ils doivent se recentrer et, voilà, parce qu'ils ont vraiment des joueurs qui ont un certain calibre, comme vous l'avez dit. C'est des erreurs qu'on ne pardonne pas forcément à ce niveau-là. En tout cas, quand elles s'accumulent, on commence à les pardonner de moins en moins. Ça on est d'accord. Et situation critique pour Vitality B, on le rappelle. Au niveau des deux équipes, messieurs, on voulait faire un point sur leur capacité à jouer les objectifs. Et on va voir que finalement, il n'y a pas une différence qui est si colossale que ça entre les deux, bien que Misfits ait un ratio de kill contre mort beaucoup plus efficace, 1,30 par rapport au 1 de Vitality B. Mais dans l'idée, c'est pas comme si Vitality B sur ces stats-là était complètement à la rue. Hein. Pour moi, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, surtout Vitality B, dans certains moments clutch, dans certains teamfights, dans certains moments autour du Nashor, du héros de la faille, que ça perd un petit peu de consistance, que ça perd. Je ne comprends pas comment Vitality, avec les joueurs d'expérience, comme ça, dans les moments clutch, n'arrive pas à être au-dessus de la LFL. Et c'est leur gros problème. C'est des moments clutch, c'est pas d'aller prendre de la vision, d'aller faire des bons ganks, d'aller faire un bon passing, etc. Tout ça, c'est maîtrisé du côté de Vitality. Je pense même que leurs drafts sont globalement maîtrisés. C'est vraiment juste quelques moments clutch dans la partie qu'ils ratent actuellement et qui ne leur permet pas de sécuriser des victoires. Ils sont maintenant en 1-3 et contre Monsieur de Première aujourd'hui. Ce serait une catastrophe de perdre la partie. Là, on peut vraiment commencer par une catastrophe et les playoffs s'éloigneraient beaucoup. Je te rejoins. Je pense qu'ils essaient trop de forcer les choses et ils veulent aller trop vite en fait. Il faut qu'ils posent le jeu. On les a vus tenter des Herald ou des Nashor qu'ils ont perdu derrière parce que ils n'étaient pas bien en place, c'était pas le bon timing. Ils veulent tenter des choses, mais des fois c'est beaucoup trop. Ouais, ça manque de coordination, clairement. C'est l'impression que ça manque donne. De clutch. Et pourtant, Yopa, Seiken, c'est des joueurs clutch. C'est des joueurs qui sont largement capables de l'être, même si back. On va parler de Yopa et Seiken juste après, justement. On a un petit focus sur eux. Mais avant ça, on voulait discuter du match-up de la jungle, messieurs. Où, a priori, l'avantage semble être plutôt du côté de Kirei en termes de stats, d'impact. Mais bon, NG a un pool de champions qui revient pas mal à la mode actuellement. Skarner, c'est Johnny, c'est des champions qu'on voit de plus en plus. On l'a vu jouer Jarvan hier, peut-être un peu moins à la mode que les autres. Mais dans la jungle, on pourrait se dire qu'il y a peut-être avantage pour les Misfits premières, mais Kirei n'est pas non plus une garantie absolue, je trouve, en ce moment. Il peut faire des bonnes games, mais il y a des fois où c'est quand même beaucoup moins bien. Personnellement, je ne suis pas convaincu par Kirei en ce début de split de LFL. Je pense qu'il a été meilleur par le passé, à bien des reprises. Pour moi, il rate un petit peu ses flashs de temps en temps. Il n'est pas si incisif que ça dans sa jungle. Donc pour moi, il y a largement la place pour NG d'être dominant dans ce match-up. Et si on a un NG dominant, ça veut dire qu'on aura aussi un Sakun dominant. Je pense le mid-jungle qui va être très très important. Et on l'a vu hier, c'est peut-être ce mid-jungle-là qui peut un petit peu craquer. En tout cas, les LDLCOL les ont fait craquer. C'est au tour de Sakun et de NG de faire ce même travail. Et c'est vrai que hier j'ai trouvé que NG avait quand même trouvé de très très bons engages avec son Jarvan. Il a été assez dominant en early, notamment il est allé chercher la Sejuani de Viking très tôt dans la partie, il l'a tué. Et derrière, il a notamment donné des ressources à son midlaner, il a donné un blue buff à Sakun. Et c'est vraiment un jungler qui joue pour sa team. Il va laisser les ressources à son carry, à ses carry. Et oui, il a fait des très bons engages. Je ne suis pas sûr que les stats pour une équipe qui perd elles vont forcément être moins bonnes que pour une équipe qui gagne et j'ai pas forcément trouvé que NG avait fait un moins bon début de split que Kirei. J'ai trouvé un peu en denti. Non mais je te rejoins juste au niveau des stats. Bon, il y a le KDA. Bon, le KDA ne veut pas tout dire, bien entendu, on le sait. Mais du côté des Vitality B, messieurs, normalement, le duo sur lequel on doit pouvoir s'appuyer, tu en parlais, Tréton, c'est
Seiken, bien sûr, et Yopa. À noter le petit chiffre qui est intéressant du côté de Yopa, c'est son efficacité ressources versus dégâts. Et il a la meilleure efficacité de la top lane en LFL. Et même si on prend au total sur la LFL, il n'y a que Tukui qui est au-dessus de lui à ce niveau. Donc ça, c'est un chiffre qui veut quand même dire pas mal de choses. Le joueur, il est censé être au-dessus de la mêlée et il est censé carry Vitality, mais tout comme Seiken finalement. Les deux sont au-dessus de la mêlée sur le papier, les deux sont meilleurs en laning phase, en tout cas ça c'est sûr. Maintenant, mid-game, encore une fois, c'est les teamfights qui doivent, dans lesquels ils doivent faire la différence. Et pour le coup, je trouve que Sakane Yopa joue bien. Même le cœur hier a bien joué. Et c'est juste, comme l'a dit Crackmo, c'est de la précipitation. C'est des moments clutch qui ne se passent pas bien. C'est un flash qui n'est pas utilisé. C'est un ultimate qui est un petit peu raté de ci, de là. Et du coup, ils n'arrivent pas à remporter de partie. Et c'est frustrant. Ça en devient frustrant pour nous, pour les spectateurs, je pense aussi. Et pour eux, ça doit être absolument infâme d'avoir des games où ils jouent bien, ils font bien les choses. Et à chaque fois, ils se ratent une ou deux fois, ils perdent la partie là-dessus. Donc c'est, pour moi, c'est ce soir qu'ils se réveillent, ou sinon, ils se réveilleront jamais. Ouais, mais enfin, tu dis ils se ratent et ils perdent la partie. C'est aussi à eux de call ça. Ils ont l'expérience et ils peuvent, par exemple, dire à ce moment-là on doit pas fight, à ce moment-là on doit faire ça, à ce moment-là on doit faire ci et pas se laisser entraîner par des calls. Je pense qu'ils le sentent que ça peut partir mal. Et voilà, c'est dommage, mais c'est vrai que ils se respectent du côté de Vitality. Non, je pense que c'est de la précipitation. Et plus ils perdent, plus ils veulent faire des choses. Et c'est un effet boule de neige, ça. J'ai vu le petit tweet de Silbac hier qui demandait à trouver un boulot au McDo après la défaite. On parle beaucoup des autres joueurs, mais Steelback aussi, le Steelback de cœur, c'est très très solide en botlane, Vitality. Encore une fois, sur le papier, c'est LEC. Donc, Je suis bien d'accord. C'est très close à chaque fois, les games de Vitality. On sent qu'il manque pas grand chose. Ils auraient pu choper le 4-0. Il leur manque pas grand chose. Peut-être 3-1, parce que contre LDLC, voilà. Mais il leur manque pas grand chose. Et c'est vrai que. Le tweet de Steelback, bon, il est drôle. Mais on prend les choses avec le sourire, mais ça doit être frustrant quand même. Derrière ce tweet, il y a beaucoup qui est caché. Quoi. C'est, je pense. C'est vraiment... T'as le seum, quoi. Quand t'es en 1-3, tu t'attends à être la meilleure équipe potentiellement. Tu viens de gagner les underdogs, t'es censé être dominant à LFL. Tu dois être au moins aussi dominant que LTLC, je pense que c'est leur objectif. Actuellement, ils ne le sont pas, donc les joueurs, forcément, en termes d'état, bah, c'est un peu la crise. Quoi. Le pire dans tout ça, c'est que je ne trouve pas qu'ils jouent mal Vitality. Je trouve pas que ça dépend des moments quand même. Et bon, enfin, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça dépend des moments, tu vois. Enfin, c'est difficile actuellement, hein, vraiment de pointer quelque chose parce que, comme tu as dit, c'est souvent un problème de coordination et de timing sur certaines choses. C'est compliqué, hein, vraiment de pointer particulièrement quelque chose du doigt du côté des Vitality. Et si on va parler pronostics maintenant parce qu'on approche de l'heure des matchs. Quels sont les pronos de la journée? Et du coup, bon, t'es pas dans la liste, Crackmo, mais je vais te demander quand même de te prononcer sur chaque rencontre. Je pense que c'est important, puisque tu vas m'accompagner aujourd'hui sur tous les desks. Alors, tu dis pas que je suis premier? Bravo, Tréton, bravo, tu es premier, bravo, bravo. Du coup, on va passer aux pronos. Alors, messieurs, le Gamers Origin contre MCES qui fait l'unanimité. Bon, encore une fois, MCES, on va voir ce que ça donne avec Lingui aujourd'hui, Crackmo. C'est dur de pronostiquer MCES à l'heure actuelle au vu des erreurs qu'ils font et des matchs qu'ils ont montrés. Je vais voter Game Origin, même si bon, je serais quand même content que MCES gagne. Du côté de Easy Dream contre Solari. Ah, Tréton, je vois. En fait, Solari, il y a deux réactions possibles à la game d'hier. Soit ils sont au fond et ils vont faire leur pire game. Soit ils sont archi remontés, ils vont remporter la partie contre Easy Dream. Et je suis peut-être un peu plus parti de la première option, sachant qu'en plus Easy Dream, eux, ont gagné. Et ça peut enfin démarrer quelque chose du côté de cette structure qui n'avait encore aucune victoire en LFL. Ils ont débloqué la première au compteur. Peut-être une seconde à venir. T'en penses quoi, Crackmo? Je pensais exactement pareil que Tréton. C'est vraiment Solari. La défaite d'hier, ça leur a fait mal. Ça, c'est certain. Et Easy Dream, au contraire, ça leur a fait beaucoup de bien, cette première victoire. Je pense qu'ils vont être. Je pense qu'ils ont l'avantage sur ce match. Très bien. L'avantage psychologique. Très bien. Eh bien écoute, on verra la réponse en game. Bon, LDLC contre Game Ward. Messieurs. T'as vraiment mis Game Ward? Ouais, mon aventure en solitaire, ouais. Ah, bonne chance à toi, bonne chance à toi. Je sais pas ce que Crackmo en pense, mais pour moi, LDLC, elle est juste au-dessus pour le moment, donc je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Je pense aussi qu'ils sont meilleurs, tu vois. Mais je me dis, dans ce genre de match, la folie Game Ward.
Salut à tous. C'est vrai que Clutch. Game World, c'est une équipe qui punit beaucoup, qui est très très agressif. Et on a vu notamment Exakik, un peu, c'est son manque d'expérience, mais il s'est fait quelques fois catch. Et est-ce que contre Game World, on peut se faire catch comme ça? Je sais pas. Donc Game World peut punir clairement. Après, LDLC est quand même favori. Je vais voter LDLC. Très bien. Et dernier match, messieurs, Missis première contre Vita et Tibi. Pareil, là, c'était assez. Toi, t'as voté Vita? J'ai mis Vita, ouais. J'ai mis Missis première pour le coup. Je fais confiance au fils de Dieu. Il faut une victoire du côté de Vitality, ce serait trop... Je veux pas imaginer Vitality en 1-4 après deux semaines. Il faut absolument qu'il aille chercher une win. Et pour le coup, il va y avoir un moment, une réaction d'ego, d'orgueil du côté des joueurs. Et je pense que ça sera ce soir. Sans doute. Crackmo. Ah, je pense que c'est aujourd'hui aussi pour Vitality. Ça va être la première. Voilà, ça ferait une semaine à 0-2 pour Misfit. Donc ça serait terrible pour eux aussi. Mais je pense que Vitality, là, ils vont pas être contents. Et puis il y a un Second Vest Argamas, ils se connaissent très très bien. Enfin, y a beaucoup de joueurs qui se connaissent bien entre les deux structures. Donc ça va y avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'ego. Ouais, ça va être un match explosif sans doute. Comme cette journée de LFL, hein, bien entendu. On se retrouve après l'introduction pour le Gamers Origin contre MCES. Le deuxième jour de cette deuxième semaine de LFL, c'est maintenant. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, en tout cas ceux qui n'étaient pas sur le pré-show. On est parti, nouvelle soirée de LFL, traitons une soirée qui commence fort, parce que pour le coup c'est les Gamers Origin, des grosses équipes face au MCES qui viennent de faire un changement au niveau de la top lane. Kikis out, Lingui qui était le joueur de Amazing, donc l'équipe Académie de Div 2 de MCES, in. Ça va. Est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que ça va être suffisant pour MCS d'aller chercher leur première victoire en LFL contre des Gamers Origin qui ont montré des faiblesses hier, qui ont certes remporté la partie avec de très très bons teamfights, notamment Tukui, notamment Smiley. Maintenant, côté Gamers Origin, je pense qu'on va chercher à se rassurer. Il faut une victoire de leur côté. Ouais. Là où MCS, c'est peut-être un tremplin, ce changement en top lane. En général, quand on change un joueur, il y a toujours une nouvelle dynamique. Ouais, après, est-ce que ça va pas prendre un petit peu de temps pour se mettre en place? Lingui, globalement, c'est un joueur plutôt jeune qu'on avait connu aussi au niveau de la grosse ligue, etc., qui a fait partie de la Div 2, Team Amazing. Bon top laner, vraiment, en termes de 1v1 et tout. J'ai toujours trouvé plutôt excellent dans son rôle. Crackmo a aussi joué avec lui, donc ouais, le gars est très bien. Sympa en plus de ça. IRL, ça aide, bien sûr. Et à mon avis, ça va être un petit peu, tu vois, le petit nouveau joueur qui mécaniquement est bon, il fait son taf de top laner, bien meilleur en top lane pur et dur que Kikis. Moins d'XP, mais l'XP elle est apportée dans cette équipe bah, par Joko, par Moops. T'as pas besoin en fait d'un mec d'expérience sur la top lane finalement. Ah, t'as besoin d'un petit talent, t'as besoin d'un rookie qui joue bien, qui Exactement. Va démolir sa lane, qui va mettre des dégâts dans les teamfights. C'est ce qu'il manquait un petit peu au MCES. On peut faire confiance à DK, on peut faire confiance à Joko pour l'early game qui devrait se passer sans trop de soucis. En face par contre, il y a Gamers Origin, c'est quand même une équipe très très solide. Burzor qui a pas été super convaincant hier. Il y a peut-être quelque chose à faire du côté des MCES, c'est peut-être la jungle qu'il faut attaquer. En plus, ils ont Joko. Bah, c'est ça, Joko, on l'a dit, c'est un peu le king de l'early game hein, à chaque fois sur toutes les games, peu importe que ça se passe bien ou mal. Il prend des ressources. Ça, Crackmo le disait, peut-être un peu trop pour lui à voir, mais maintenant s'il a plusieurs alliés vers lesquels il peut transférer ses ressources, c'est peut-être plus intéressant. Parce que si t'as un top laner, enfin on se souvient du Renekton, c'est-à-dire que tu mets des ressources sur un Renek où le joueur est pas très très fort sur la top lane, voilà pour... C'est pas son main role, donc oui, voilà. Oui, pas très fort là-dessus. C'est un Renekton qui est bon qu'en early game, il n'y a rien qui marchait, que là en fait Joko il aura plusieurs options dans la game et tu veux pas laisser ton Renekton derrière. Donc il pourra jouer vraiment un petit peu partout. J'aime bien l'idée de ce que ça peut donner sur MCES. Est-ce que dès aujourd'hui ça va fonctionner? Je ne sais pas. Après avoir vu, alors Lingui, voilà, je peux donner un petit peu d'insight maintenant. Il avait joué un petit peu avec la main team pour le coup, il a fait quelques games qui se passaient très bien. Voilà, c'était il y a quelques semaines de ça et ça se passait à première vue très bien. Donc
ils ont quand même déjà un petit peu joué ensemble, c'est pas comme s'il arrivait comme ça de nulle part, mais je sais pas combien de fois, tu vois, c'était juste quelques games, il m'avait dit. C'est plutôt un joueur de vraiment carry pur sur la top lane, où on va plutôt aller chercher des tanks, du Horn, du Malphite, ou c'est vraiment carry. Il peut tout jouer, mais il est très fort en carry. Moi j'ai toujours trouvé très très bon du coup dans l'idée de gérer les 1v1. Là où Shemek, avec les années, part plutôt sur un rôle de vraiment tank, etc., weak side de son côté, je me dis qu'on pourrait peut-être partir sur de la Camille, un truc comme ça, tu vois, pour Lingui, et aller peut-être titiller un petit peu le Shemek. Je suis curieux, vraiment j'ai envie de voir ce que ça va apporter avec Joko, s'il va pouvoir retrouver un petit peu ce qu'il avait avec Irith pour le coup, parce que Irith, oui, pareil, hein, Joko Irith, c'était un rookie Irith à la base, un petit monstre certes, mais c'était un rookie. Un gros monstre et, même. On se souvient du coup de Joko, comme il ne parlait pas français, enfin il avait du mal à s'exprimer même en anglais et tout, il faisait par contre beaucoup de « oh là là », ça c'était trop rigolo dans les interviews, et du coup il faisait des pierres feuilles ciseaux de Joko avec lui. Très bien, c'était sa communication, c'était sa manière. J'espère qu'il fera plus que des pierres feuilles ciseaux ici avec Lingui. Mais c'est vrai que Lingui, directement, jeté dans le bain contre Shemek, un top laner assez emblématique de la scène française, qui ne devrait pas le laisser trop respirer. Donc ça va être un énorme test pour la top lane. En mid jungle, du côté d'MCS, pareil, gros test, parce qu'on se retrouve contre Blowzer et Tukuy. Par contre, en termes de bot lane, je donnerais quand même pas mal l'avantage aux Gamers Origin, qui ont pour moi un boulevard sur cette lane. Bah ouais, du côté d'MCS, ça dit, il est pas incroyable, tu vois. C'est console accord, il y a. Je suis pas convaincu vraiment. Après, s'ils sont capables de changer le top laner, ils sont peut-être capables de changer la bot. Tu sais, si une fois que tu as changé vraiment le problème qui était le plus visible, je pense, du côté de l'équipe, ça va mettre en avant peut-être d'autres problèmes. Et du coup, petit à petit, tu fais des modifications jusqu'à arriver à une Dream Team. Faut lui laisser un peu de temps quand même à Sazi. C'est ça. Non, mais ça fait pas beaucoup de games. Bon, même si le speed va très vite, ça fait quand même pas beaucoup de games pour lui. Mais je suis d'accord avec toi que pour le moment, en termes de performance, c'est le moins bon ADC de la ligue. Oui. Mais on verra si ça va s'améliorer parce que bon, t'es pas toujours dans un bon mood quand t'as beaucoup de joueurs qui ont de l'XP et tout, ça peut être difficile aussi, peut-être que là il va se révéler, hein. Ça reste possible. Alors, Senna, Kha'Zix et Syndra de retirer du côté des MCES, le Olaf, ok, on va pas laisser l'Olaf à Joko, hein. Logique. Roi de leur League M, ça me semble tout à fait normal, pas de Voli non plus. On a la Hache qui peut tout à fait se first pick, vraiment c'est pas un mauvais choix. Kalista, Ezreal, si on parle d'ADC, ce sont aussi des champions qui peuvent très bien partir ici du côté de MCES. A voir si on peut partir sur un champion de Joko aussi. On sait qu'ils aiment bien first pick dans la jungle pour vraiment être très très dominant. Mais c'est avec Olaf en général. Et ce sera la Kalista, tu en as parlé. Sauf que si tu prends une Kalista comme ça, Smiley part sur une Hache, c'est un très très bon counter. Ce serait dommage de s'en priver. Et d'ailleurs, tu as aussi tout ce qui est les duos Hache-Bard par exemple. Et à noter d'ailleurs que Bard, pour vous donner une stat vite fait LPL, c'est 62% de mid rate là-bas. Oh mais voilà. Le champion est là, je pense qu'en seconde rotation, s'il est laissé par les Gamers Origin, il devrait. Ah, quoique. Bard Kalista. C'est pas incroyable, Bard Kalista, tu vois. C'est même nul. Bah c'est ouais, en perso, se coucher avec Kalista, t'as Rakan au pire. Mais parce qu'il peut faire des gros in et out sortir rapidement. Bon, là, la Hache qui était prévue hein, ici, pas trop de problèmes. Et quel sera le second champion? T'as Nidalee dans la jungle qui est dispo. Qui a pas de hard counter. Kha'Zix a été ban en plus, donc tu peux difficilement aller chercher. Thresh Hache, bon, c'est solide comme botlane. Même si j'aime pas trop Thresh sur Rusted Beast, je suis vraiment c'est pas vrai. Fan. Pour moi, c'est pas son champion. Je le préfère largement sur du Nautilus, sur de la Leona. Après, c'est un très bon combo avec Hache. Et en plus, on deny le Thresh de Moops. On empêche le Thresh Kalista, qui est un combo très très fort. Quelle va être la réponse de Moops? On l'a dit, c'est difficile d'aller chercher un Bard. Il va lui falloir un gros temps qu'on l'imagine. Blitz. Nautilus, Blitzcrank sont deux très bons champions. J'aime bien Blitz en plus face à Thresh. Évidemment, le grab est un petit peu plus puissant, on va dire. Tu peux envoyer un Blitz dans la mêlée, balancer un silence sur tout le monde. En plus, ça a beaucoup d'intérêt, je trouve, avec la Kalista. On connaît de toute façon la Ballista, c'est pas quelque chose de nouveau. Horn qui est déjà lock pour Lingui, ok. Le TF aussi, c'est vrai que le TF on l'a oublié. Par contre, face à TF, t'as Galio, t'as comment il s'appelle, Sylas aussi, qui sont deux picks excellents. Et t'as Azir. Faut oublier ce que l'Azir reste un bon pick face à TF, parce qu'en fait tu l'outpush pas mal et du coup il a beaucoup plus de mal à claquer sa destinée. Même si je préfère en soi Galio, pour moi c'est un excellent choix. Surtout quand t'as Blowzor qui peut jouer un pick aggro. Le problème c'est que si tu prends le Galio maintenant, pick aggro, qui va peut-être être ban et ce sera un trundle pour Blowzor. Ah, ça me fait un peu mal. Il est tellement fort sur les pics agressifs, Blowzor, que bon, il a pas mal là-dessus, mais ça va laisser à Joko le temps de voir venir un petit peu. Un petit tanky ici, après un pic qui fonctionne bien contre Kalista, à voir comment on va avancer dans la draft. Du côté des MCS, techniquement, bon, on doit ban le Galio, on doit ban potentiellement le Sylas aussi, je pense. Du côté des Geos, ce qui serait parfait dans la draft ici, c'est Camille plus Galio, mais je pense pas que ce sera laissé par les MCS. Et MCS qui va jouer du coup autour de la botlane, qui va jouer autour de Sadie. On va essayer d'aller lui donner les ressources pour carry cette partie. Parce que déjà, quand on a un TF, en général, on préfère aller sur la top lane, jouer une Camille, jouer un carry, le mettre devant. Ce ne sera pas le cas ici, là, on va le laisser dans son coin tranquillement. Et c'est vraiment tout pour la botlane, pour la composition MCS. Ouais, il va falloir se méfier. Je suis très curieux de voir comment ils vont pouvoir jouer ça, les Joe, parce que les Joe, ils connaissent leur match-up top. Tu peux très bien prendre un mort de Kaiser potentiellement pour chez mec, où évidemment tu gagnes le match-up et il n'y a pas de souci. Mais la Camille, j'aime bien cette idée, moi, de Camille, où tu vas essayer d'aller jouer là-haut. Tu vas essayer d'aller dive Lingui en chaîne, peut-être, histoire de dire bienvenue en LFL. Effectivement, Galio Camille serait vraiment parfait hein, pour les surtout que tu prends la Camille dès maintenant.
ou le Galio, c'est comme ils veulent. En vrai, ils peuvent prendre les deux. Ils peuvent le faire dans le sens qu'ils veulent. Pour le coup, ils ont l'embarras du choix, les Géos, à voir si ça va être leur plan. Après, il manquerait peut-être un tout petit peu de dégâts AP, même si Galio en a beaucoup. Ouais. Du coup, il y a aussi un gros joueur de mage. Il a peut-être envie d'en jouer un ici. C'est possible. Ce serait presque dommage. Mais après, même si tu manques de dégâts AP, la Camille fait aussi des dégâts bruts, tu vois, pour commencer. Ah non. Enfin, ah non. Ok. Wukong contre Horn, du coup. Peut-être qu'il a une idée du match-up. C'est quasiment s'auto-counter entre guillemets, parce qu'on sait que les, justement, les tanks top qui stackent beaucoup d'armure, qui font des dégâts magiques, c'est fort contre Wukong, parce que Wukong, son passif lui donne de l'argent HP, mais aussi l'armure, donc en soi c'est pas incroyable. Après t'as aussi la réduction d'armure qu'apporte le Wukong via son Q-spell. Je suis moyennement convaincu. Alors, il reste une option, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais on a vu ça du côté. Côté de Sakor dans la div 2, le Trundle top face à Horn. Non. Voilà. C'est... Non. Ça aurait été amusant, mais je suis choqué du Wukong. Effectivement, pour moi, la Camille aurait été parfaite. On peut toujours faire un Wukong Galio, par contre, qui marche aussi parfaitement bien. Et l'avantage du Wukong, c'est qu'il va pouvoir setup un petit peu plus un fight global, puisque Camille, c'est de chop une personne. Wukong avec un cyclone, pour en choper plusieurs, ce serait une Cassio. Donc, ok, on avait tort sur toute la ligne. Ah, mais j'aime pas la draft Géo, Cassiopeia pour ce. Alors, c'est bien dans le match-up contre toute cette fête, certes, mais contre. En vrai, contre Kalista, c'est pas mal non plus. Il n'y a pas tant de range, mais contre Karthus et Horn en particulier, c'est assez compliqué à jouer tout de même la Kalista. Maintenant, c'est Toko, il est très très bon dessus. Et je pense qu'il va passer devant dans son match-up notamment. On a un mid-jungle qui est bien plus fort du côté des Gamers Origin avec Trundle, Cassiopeia. On joue peut-être un petit peu plus les lanes ici. Techniquement, ils ont un counter sur chaque lane, quasiment. Si on considère que Wukong est un counter à Horn, puisqu'il a été pick dedans, moi je fais confiance à chez mec pour me dire que c'en est un qu'il aura au moins de la pression. Et à partir de là, c'est vrai que les Géos ont 3 lanes dominantes. Par contre, en termes de teamfight, plus tard dans la partie, ça peut être un peu tricky à jouer. Là où la MCS, on presse R et c'est relativement simple. Il faudra 10 engages pour les Géos, ce sera le travail de Sleep. C'est vrai, après pour le counter top, vraiment, normalement Horn a un bon match-up face à Wukong, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais pour chez mec, je me demande si c'est pas l'idée que avec la soumission de Blurzor, plus ce Q-spell de chez mec et peut-être un Black Cleaver, qui sait, on réduise complètement l'armure de ce Horn et qu'en fait on néglige sa partie tank pour permettre à l'âge de DPS plus tard. Ah, je pense que Wukong peut gagner. C'est... Je pense que Wukong peut gagner, comme on a déjà vu des Wukong gagner face à des morts de Kaiser et tout, et pourtant face à mort il a un match-up défavorable, tu vois, mais tu peux toujours, évidemment. Maintenant, on verra du coup comment ça va se passer sur la top lane. Les deux joueurs, Lingui qui va devoir du coup, avec un bon match-up, battre chez mec ici. Ce sera pas forcément une chose simple. Les gamers sur qui ont une très très belle composition de la game, qui ont deux carries extrêmement forts en l'absence de Cassiopeia et de H. Ils ont en plus une dans la game qui est quand même assez dominant. Du côté des MCS, tout ce qu'on veut, c'est passer niveau 6 en mid-jungle, aller bot lane et tuer des gens. Ce qui peut se passer largement, hein. T'as envie de feed justement Sadie. Et bah Sadie, ça peut être aussi sa rédemption, on en parlait tout à l'heure, peut-être actuellement le carré D qu'on a trouvé, en tout cas le moins performant du côté de cette LFL. Bon bah là il a toutes les armes en main pour pouvoir gérer ça, il aura en plus des systèmes craft, hein, de la part de Lingui. Et c'est vrai qu'un truc important à noter, c'est que du côté de Trundle en fait, dès que tu as le dash du Horn, bah tu mets le pilier devant et ça cancel. Mais on va voir très tôt, on va partir directement dans cette game MCES Gamers Origin. Et c'est parti pour cette game entre MCS et Gamers Origin. Changement sur la top lane, plus de Kikis. Maintenant, c'est Lingui qui sera ici pour les MCS. À voir si ça va débloquer leur compteur de victoire. C'est la dernière équipe qui n'a pas win une seule game pour le moment. Est-ce que c'est maintenant, Gardoum? Ah, c'est face à Géo, quoi. c'est ça qui est compliqué. C'est que. Est-ce que c'est maintenant? Bah. Face à une autre équipe que Géo, je t'aurais dit peut-être que oui. Géo, c'est comme les gagnants du Spring Split. C'est pas pour rien. L'équipe n'a pas changé. L'équipe a juste plus d'expérience, en fait. Hein. Plus le temps passe, plus il y a d'XP. DK qui veut faire un Et je suis en train de voir dans le chat. Alors, il y a Adam, du coup, top laner Kameto Corp, hein, gros top laner d'ailleurs, tant qu'il y a duel, qui dit que bah, c'est Wukong qui a le match-up. Alors, moi, de tout ce que j'avais vu, en fait, du côté de la LPL, du côté de la Chine, en fait, on avait majoritairement le Horn qui remportait le match-up. Il me laisse un peu pantois, pour être honnête. Ça va, c'est un mot que tu connais? Oui, ça va, je connais. Je peux te suivre, Gardoum. Par contre, moi, ce que je reconnais ici, c'est qu'il y a un énorme cheese en bot lane du côté de DK qui a une téléportation qui va très certainement flash une gold card ici sur Smiley, même pas de flash in. On essaie d'enchaîner, on flash du côté de Moops. Est-ce qu'on peut vraiment venir à bout de cette hache? Ça me paraît compliqué. On se retourne du coup sur le trash, très bon flash out du côté de Slin. Et DK qui va perdre sa téléportation, qui perd aussi beaucoup d'HP. Cheese qui n'a pas très bien fonctionné. Ah, c'était. Ok. Fallait le sentir ce move, je t'avoue que je reste surpris, complètement choqué même de ça, mais j'aime bien, tu vois, l'idée d'être créatif dans un move du genre. Parce que sur un malentendu, ça passe, tu mets Sadie déjà sur les chapeaux de roue,
Bon, par contre, évidemment, pour Dicky, il va falloir faire avec. Hein. Il va falloir essayer de tenir tant bien que mal. Il est déjà niveau 2 quand même. Il aura juste un retard d'un demi-level au niveau de la mid lane. Ça reste à peu près acceptable pour gérer face à Tukui. Il faut se débrouiller avec Joko pour l'instant qui fait son clear jungle. From top to bot, sachant qu'il n'y a plus de summoner spell en bas comme du côté de Hustling Beast. Et en soi, si tu ne peux pas focus Smiley puisque lui a son flash, tu peux peut-être aller gratter justement un Thresh hein, qui entre bon une Kalista, un Nautilus et un Karthus peut mourir assez facilement. Blonzor, quant à lui, est toujours niveau 2. Pour l'instant, évidemment, le pire d'un Karthus est beaucoup plus rapide. Après, il lui a volé son red buff. C'est la bonne opération du côté de Blonzor qui a fait red to red d'ici dans cette early game. Du coup, on n'aura pas de red buff pour Joko. C'est pas non plus un si gros problème pour un Karthus, évidemment. Du côté des GO, on se fait push. On va rester tranquillement sous tourelle. On ne veut pas se faire gank. On n'a plus de flash sur le trash. Tu l'as dit, il est assez sensible. Pour le moment, sur la top lane, c'est assez even. Et la mid lane, comme prévu, et encore plus à cause de cette téléportation utilisée niveau 1 du côté de DK, on va avoir une grosse domination de tout coup. Et oui, et Joko qui va être vu ici avec la ward de la part des GO. Bon, pour tout coup, de toute façon, il avait piqué après. On se disait qu'il allait pouvoir contrôler ça tranquillement. Au niveau du top, pour l'instant, pour Lingui, ça se passe bien. Après, bon, c'est le very early, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais t'as l'avantage avec ton horn, au moins, de pas devoir back pour crafter les items. Et ça, en général, ça fait beaucoup de bien dans les match-up. On prend toute la jungle du côté de Joko ici. On va aller chercher le trade. Hustling Beast, la peine capitale, ça touche sur Joko. Et on va aller jusqu'au bout. Le play de la part de Hustling Beast. Joko qui est prêt à partir. Smiley qui ne pourra rien faire. First block qui a été récupéré de la part de Sadie. Smiley, le flash in finalement. Qui va aller jusqu'au bout. Récupère un kill. C'est pour tout couille. Le chase de la part de Smiley ici sur Joko. Est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être? Joko. Joko qui cacte bien, mais pas suffisamment. Blurzor, flash in. Kill de récupérer sur Smiley. Ça fait 2 kills en faveur des GO. Sadie qui va essayer de contester un petit peu. Sadie sur Blurzor et Sadie. 2-0 le flash in. De Sadie avec le Red Buffet qui va aller chercher Smiley ici. On ralentit tant bien que mal. 7H peut-être une extirpation, Tréton, ça enchaîne, Sadie a l'attaque, triple kill, Sadie le triple kill, waouh. Alors une game qui part comme ça, là où on a dit tout à l'heure, c'est peut-être le carré à deux où on a le plus de doutes, ok. Bah après on lui a offert les kills honnêtement, mais par contre maintenant mais... avec ce 3-0, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? C'est à lui de carry la partie, il va avoir un énorme back, pourquoi pas même un sabre vicier dès le premier reset. C'est voilà. Kalista qui est dans une position de carry, Hustling qui sans flash a quand même fait un move assez osé pour engage ce fight. Et moi c'est Tuku qui me surprend, pourquoi Tuku il n'a pas suivi son équipe? Il a back instantanément, il avait peut-être plus de mana, du coup il s'est dit qu'il n'était de toute façon useless dans ce fight. Ah ouais. On voit ici Tuku qui n'a plus de mana, Smiley et Blurzor qui veulent continuer, Tuku qui est en train de back pendant ce temps-là. On va lâcher un gros flash du côté de Blurzor, on va certes dodge beaucoup des Q-spells de Joko. Mais le problème c'est que pendant ce temps-là il y a une Kalista qui tape, il y a une Kalista qui cogne assez fort et qui va très bien jouer le coup avec son Q-spell extirpation. Et d'ailleurs on flash in, on récupère un triple kill, bien joué de la part de Sadie, curieux de voir si va être cap de Snowball. Je t'avoue que je m'attendais pas à ce flash in, c'est vraiment en mode j'ai les red buff et ça va passer. Ah, pas grand chose, ce sera les bottes de berserk et un sceptre vampirique. Ok, et en premier item, ça reste excellent pour profiter au maximum en plus du red buff. La wave va bounce en faveur des MCVS ici qui peuvent tranquillement la free s'ils le souhaitent. Bon, une cale si t'as fait dans le début de game, normalement ça fait énormément de bien. Au niveau du top, il se passe pas grand chose, hein, qu'on soit d'accord. On peut rester safe de part et d'autre. On va attendre niveau 6 et encore, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller mettre de l'acte sur cette top lane du côté des deux équipes? MCS, la bonne nouvelle c'est qu'ils ont déjà un gold d'avance, mais surtout on va pouvoir scale tranquillement du côté de DK et Joko, arriver à leur niveau 6 et une fois que ce sera fait, ils auront vraiment beaucoup d'options sur la carte. Absolument tout le monde sera un kill potentiel du côté des MCS. C'est très simple d'aller chercher les GO, surtout que Smiley n'a pas de summoner. Il faut snowball cette botlane, il faut dive en permanence. Ils peuvent le faire, un Joko bientôt le Requiem. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce que serait la game de rédemption des MCS? Rop et Joe serait dur. Mais on est qu'en début de partie. Faut oublier que du côté des GO, t'as un scaling qui est quand même colossal. Évidemment, côté MCS aussi. Hein. Peut bah, pas t'as leur enlever, mais. Hmm t'as tout couille du bah côté des GO. T'as tout couille sur un mage, sur une Cassiopeia, qui compte des champions qui n'ont pas beaucoup de range, hormis le Karthus, qui va être un vrai véritable problème, je pense, pour tout couille. Mais globalement, on connaît le joueur, il y a moyen qu'il a 29. Ça reste probable, puis H en late game, ça reste excellent aussi. Premier dragon du côté des MCS, sans surprise, hein, avec une telle prio au niveau de la bot lane. Tu concèdes l'objectif, c'est un dragon des nuages, donc c'est pas grave du tout. Tu vas récupérer, ça fait du bien comme Requiem de Karthus, c'est important de le noter. Ils ont des bons ultis. Et la destinée, pareil, hein, après c'est 10%, ça vaut ce que ça vaut, mais si tu gagnes 10-15 secondes, ça reste excellentissime. Bon, dit que son retard en early game, hein, finalement, en termes d'XP, a été largement rattrapé. Prochain objectif, ça va être le héros de la faille. Dans 1 minute 30, on a le temps, normalement, du côté des MCES, de hard push, ensuite de faire un swap lane s'il le souhaite. Et pour l'instant, match-up top, ou alors, chez mec, est-ce qu'il fait le Black Cleaver? S'il te plaît, fais le Black Cleaver, ce serait juste incroyable. Ça me convainc beaucoup. Joko niveau 6 contre le niveau 4 de Blurzor, la Kalista qui devrait passer son niveau 6 aussi incessamment sous peu. Et pour moi, du côté des MCS, encore plus qu'un swap Herald ici, tu as envie de chercher le dive bot lane. Il est gratuit ce dive si cette Kalista est 6. C'est impossible de le manquer, surtout qu'il n'y a pas de flash sur H. La MCS, ça doit être leur objectif.
Je pense que juste aller swap à l'Herald n'est pas suffisant ici. Ils doivent snowball encore plus fort. Ouais, ils auraient besoin d'un petit peu de mana sur l'équipe prédestinée, quoique. Une blue card et c'est chose faite. Et ils peuvent y aller, ils peuvent faire un forcing. Oh là là. Avant que le flash revienne de Smiley. Et après, tu profites du kill. Faire un reset. Pour ensuite aller sur topside. T'as un snowball qui peut être très très gros là du côté de M16. Et attends, du côté de DK. En premier item, on part du coup sur le revolver X-Tech. Protobelt peut-être. Je sais qu'il y en a certains qui le font. Écoute, ouais, c'est... je vois que ça. Alors pourquoi pas hein. De CDR, des HP, et puis bon, évidemment le dash pour aller placer la gold card. Sinon c'est hybride. Sinon c'est le build, tout cette fight hybride, le fameux build de Nemesis à base de... la Gunblade. Je sais qu'il y en a certains qui font ça, mais bon, c'est pas... En général, on préfère partir sur du gros AP, et je pense qu'une Protobelt serait mieux ici, en tout cas dans cette game. Les M16 qui vont reset, qui vont partir du coup sur un haut de la faille, c'est le timing 8 minutes. On fait le swap, on veut essayer de snowball sur la game. Le truc c'est que les jeux vont pouvoir suivre sans trop de soucis. Et surtout, ils ne se sont pas fait dive, ils n'ont pas perdu encore plus de gold que prévu. Ce sera juste un swap Herald, somme toute assez classique. Ouais. Pas trop de forcing, mais il va falloir forcer au bout d'un moment de toute façon hein, du côté des M16. Parce que bah, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça scale beaucoup trop fort du côté des JO pour ne pas essayer de snowball sur ton avance. Au niveau du top, le match-up est ok, ce sera bien. Black Cleaver pour chez mec, parfait. Bon, face à Lingui sans surprise, mais ça fait du bien. Lui, contre Trinité, plus de mal en général à la paire. Enfin, le héros de la faille s'est forcé du côté d'MCES, c'est pas contestable hein, de la part des gamers d'origine. T'acceptes de laisser tes objectifs, t'as une Kalista 3-0 pour l'instant. T'as pas de gros spike du côté de ton équipe. Faut être patient, simplement Lingui qui attendait en puissance, il nous dit qu'il va être faire partie de la bordage. Qui touche du côté de Moops, c'est un nouveau kill, Sadi. 4-0, la Deathnet de ce TF, on voit où sont les adversaires. On récupère le héros de la faille, JJ Wellplay. Oh, mais non! C'est Blurzor qui l'a eu, il a croqué Blurzor. Très beau deny de la part ici du jungler. Et Chemek qui va aller gratter le kill sur Moops, avec un abordage de Moops d'ailleurs, hein, mais bon. Chemek qui succombera. Ça fait 2 kills en faveur des MCBS et ça fait un héros de la faille qui est deny. C'est une bonne nouvelle pour les JO, je pense que c'est relativement rentable pour eux d'empêcher le snowball trop gros qu'aura apporté un héros de la faille au MCS ici, même si le fight a été pris en désespoir de cause. Et Austin qui a fait check avec son front, avec un trash, c'est évidemment assez compliqué à faire, il s'est fait totalement one shot. Ouais, pas la meilleure option quand même. Mais bon, côté JO c'est rassurant je trouve, toujours 1500-1700 gold de retard. C'est ok à 9 minutes de jeu on va dire, par contre ça dit qu'il arrive pas un kill de plus. Ça dit qu'il y aura très bientôt sa BRK, hein. Il est possible qu'au prochain bac il l'ait. Oh, à peu de choses près à mon avis. Et il part hybride, DK ici. Ok. À partir de la première utilisation de Nemesis, j'imagine qu'il veut mettre des dégâts au Trundle et au Kong notamment. Ouais. Il se dit qu'il doit avoir assez d'AP avec le Karthus dans son équipe. Mais j'avoue être surpris par le choix de DK à voir ce que cette utilisation va pouvoir faire dans cette game. Dégâts magiques pour Lingui, alors pour ce que ça vaut, mais en early mid game, dégâts magiques d'un Horn, tu peux pas les négliger non plus. Pour Joko, tu l'as dit. DK, ça va être un 50-50. Ça dit de la dépure. Après ça aurait pas été choquant d'être full AP en fait avec juste Sadi en AD, comme ça tu laisses ta Kalista qui snowball, bah ils vont devoir forcer résistance donc résistance magique côté Géo et t'aurais Sadi qui aurait pu déplacer encore plus. On va voir comment ça va évoluer, les M16 qui sont toujours bien dans leur partie, une minute avant le prochain dragon, ce serait peut-être le timing de swap ici du côté de la botlane des M16, repartir botside, 2k gold d'avance pour les M16, on l'a dit, c'est en early game, ils sont très très forts, c'est une très bonne équipe à cet exercice là. Maintenant il va falloir voir comment ils vont pouvoir accélérer le mid game contre Gamers Origin qui encore une fois n'est pas n'importe qui mais qui hier a montré de vraies faiblesses dans ce domaine là. Leur mid game était loin d'être parfait. Ouais. C'est, eux-mêmes avaient été un petit peu déçus. La game se dit était un peu sloppy hier, c'est comme s'ils étaient tous entrés dans une game chaotique. Géo Solari et ça a fait un glooby boulga un petit peu particulier où ils sont comme sortis vainqueurs, hein. c'est à peu près ce qui compte on va dire. Mais aujourd'hui il va falloir être un petit peu plus... Loubi et Boulga, là, je sais pas, j'ai jamais entendu ça de ma vie, par exemple. Ah ouais? Ah, que okay, non. Voilà, ça, ceci dit, c'est Casimir, l'île aux enfants et tout. C'est une rêve que même moi j'ai, mais parce que tu vois, j'ai des grands frères, etc. C'est pas un truc, c'est même pas exactement de ma génération, du coup, ça me choque pas. Ah bah, super. Ce truc là me surprend pas. Bonzor, par contre, ici, qui est un peu isolé, qui veut build directement sur Moops, on est très ambitieux du côté des Gamers Origin. La flèche de cristal qui est parfaitement trouvée ici, mais le flash in de Sadi pour sauver son support que nous revenons sur Tukouille. Oh, c'est pas mal ici. Le cyclone d'appart de chez Mec qui va essayer de reculer. On a comme Rick par un kill du côté des Joe. Lingui fait prêt à partie. Le round soir, heureusement, on a le dash. On peut s'échapper du côté de Lingui. Ça reste à l'avantage des Gamers Origins. Ça fera un dragon contrôlé de leur part. Et le re-engage de Moops avec l'appel du destin sur Tukouille. Il était attendu. Vraiment, Tukouille l'a regardé dans les yeux. Il l'a transformé en pierre. GG Wellplay. Et Moops a vraiment plus de points de vie en plus. Hein. Je sais pas si tous les MCES s'attendaient à ce que Moops re-engage ou pas. Je suis pas vraiment convaincu. Un dragon élémentaire partout, 1000 gold de retard à peine du côté des JO.
Ne pas oublier scaling doucement mais sûrement, parce qu'on a certes une Kalista à 4-0. T'as une Ashe à 2-1-2, ce qui reste tout à fait acceptable. Et du côté d'MCS, il va falloir trouver les moves. On a une Destinée sur DK, on a un Requiem sur Joko. Il faut trouver des adversaires faciles à attraper. Smiley, mais qui a un flash. Ce mec a un flash aussi, donc il reste un problème. La range va être un vrai problème pour le MCS. Il va falloir réussir à trouver une gold card sur Tuku, sur Smiley, réussir à les contrôler. Parce que sinon, quand on rentre dans leur zone de DPS, quand ils arrivent à mettre leurs dégâts, on va fondre juste du côté des MCS. Ça va être assez compliqué à faire. On l'a vu, les GO, quand ils ont deux énormes carrés sur ces deux joueurs en particulier, en général, ils sont plus qu'excellents en teamfight. Ouais. Donc les MCS qui vont devoir très bien jouer avec la vision, trouver des flanks. Pour le moment, ils enchaînent bien. C'est dommage qu'ils aient perdu ce teamfight, ça aurait pu leur permettre un bon snowball. Mais honnêtement, il a été très bien joué par les Gamers Origins. C'est pas vraiment une erreur de leur part ici. Non, et tu parles de range, effectivement, pour vous donner une DH, c'est 600 range sur ses auto-attaques. Et Cassio sur ses crocs, c'est 700. Par et Kalista Kalista, 525. Difficile voilà. Pour Sadie de jouer la partie. Globalement, Sadie. Qui va lui créer de la place? Bah, c'est sur un CC en fait de Lingui into Moops qui est envoyé dans la mêlée où il doit essayer de tuer des gens. Ce qui est pas simple en tant qu'Alista, mais bon. On verra comment il arrive à goupiller ça au niveau du bot. Bon, toujours ce match-up et Hornkong, il se passe globalement rien. Ils sont là pour jouer avec leur team. Vraiment en fait les compositions H, ça se joue, c'est des compositions qui se jouent en 4-1. Majoritairement, tu fais pas de 1-3-1 quasiment avec H. T'as un support qui peut remettre assez efficace, un jungler en général qui peut avoir une prio qui au moins tient bien, donc Trundle remplit pas mal ce rôle. Et il faut un speed pusher au niveau de la top lane qui puisse faire des flanks. Et c'est la globalité de ce qu'on retrouve dans le monde avec les compositions AH. Les MCS qui veulent une veille de topside ici, qui veulent prendre un maximum de vision, qui se regroupent. On met de la vision du côté de Moops et de Joko, mais à quoi va-t-elle servir au respawn du héros de la faille? On l'imagine, mais il faut réussir à toucher les tourelles ici un petit peu du côté des MCS. Il faut réussir à trouver un snowball, réussir à trouver des destinées aussi du côté de DK, qui est en train de partir du coup sur une trinité, qui a juste pris le pistolet pour leur lit. C'est le fameux stuff de Jebsu en solo queue. Cette fight hybride que tout le monde déteste, que Chips par-dessus tout déteste, trouve absolument nul. Oui, il a fait que critiquer Nemesis pendant tout speed de LEC à cause de ce build. Oh, Joko, le blue buff, ça ira. Attention, les Gamers Origin, la flèche, Joko fait ça l'enchanté. Joko, oula, le flash, évidemment, il ne sera pas touché par la flèche. Mais regardez, Austin Beast qui arrive sur le côté, Tuku qui est là. Et flash, Indo Moops qui veut essayer de forcer la destinée par de ce Twisted Fate. Moops qui va être là à partir de Dicky en backup. On va être 5 joueurs du côté des Gamers Origin. Il faut s'enfuir pour les MCES. L'appel de 5. Oh, il a été cancel. La TP de chez mec a été cancel par Lingui. Belle opération ici de Lingui qui vient empêcher chez mec de téléporter. On se retrouve du coup dans une situation un petit peu bizarre de l'autre côté. On est en code contre 3, on veut catch Sadie. Sadie qui n'a pas de flash. Est-ce qu'on peut aller chercher ici? Attention, le play qui ramène Moops. La stopwatch qui est excellente. Stopwatch aussi du côté de Austin Beast. Oh, Tuku qui n'a pas touché malheureusement. Regarde la mise, mais regardez Blurzor, le chase sur Sadie. On le ralentit. Smiley qui fait le tap. DK qui est complètement fermé. Flash out de DK. Smiley est-ce qu'il veut aller chase sur Sadie? Attention, quelques sueurs. Ouh, ça fait mal d'un seul coup. Il y a un rôle à faille à jouer, mais finalement ça reste à l'avantage des GO pour le moment avec les quelques trucs qu'ils ont récupérés. Pris au mid lane, du côté des MCES, ils vont forcer dessus et à raison. Les Gamers Origins ne sont pas en place, la tourelle est tombe. C'est une bonne opération pour les MCES, s'ils arrivent à récupérer cette tourelle, malgré avoir concédé quelques kills ici, cette tourelle mid lane qui va pouvoir peut-être leur permettre de snowball cette early game, de snowball maintenant sur un bon mid game de leur côté. Un dragon dans une minute 40, il y a aussi le rôle de la faille qui a maintenant respawn. Du côté des MCES, on est toujours bien, on est toujours devant. Et on attend toujours ce coup d'accélérateur qui est si nécessaire au vu de leur composition. Il n'y arrive pas parce que l'écart de gold malheureusement ne se creuse pas, il se réduit hein. Vers les 9000 de jeu avec 1500-1700 gold. On n'est plus qu'à 1000 gold. Moops ici, on est attrapé par Pain Capital, mais il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Smiley de toute façon n'a pas la flèche de cristal, mais il a ses 3 kills. Petit à petit, il avance bien dans cette game. Pour l'instant, alors Lingui pour son entrée en LFL, bah, il fait un bon taf. Hein. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher, on soit d'accord. Hein, c'est... Et là même quand il vient juste de cancel une téléportation, bah, il est présent sur le timing où il doit l'être, il se fait pas outstorm, il est très bien dans sa partie pour le moment, à voir ses prochains teamfights. Oh l'engage sur Moops, la peine capitale de la part de Simbist et ça va enchaîner rapidement. Moops qui va tomber, c'est pour Tuku, un nouveau kill 2-0-4 du côté du jeune millénaire français Joko. Attention Tuku, les dégâts sont excellents. On pourra pas aller prendre le kill, ça joue à pas grand chose hein, comme pour Joko. Je pense qu'il a un peu battu des fesses, mais si on a un héros la faille, aller gratter du côté des Gamers Origin. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais la draft des Gamers Origin est excellente pour les objectifs neutres. C'est-à-dire que si à un moment vers les 19 minutes 30, 19 minutes 45, ils prennent un ace ou pas loin, le baron Nashor il tombe instant. T'as une Cassio, t'as une hache, y'a pas photo. Et tu me diras de l'autre côté c'est pareil, hein. Quand t'as un Karthus et t'as une Kalista, ça va aussi très très rapidement, ce sera pas un problème pour les deux équipes dans cette partie. Et Lingui, si jamais la vision au côté de Lingui, on prend une tourelle. On suit bien du côté de Joko qui va aller counter un maximum de camps. 20 secondes avant le dragon, ils ont de la vision ici des MCS et les GO qui ne devraient pas pouvoir le contester. Ouais. Tu aurais peut-être même dû mettre l'air à le top lane. Oui, c'est histoire de pouvoir forcer un objectif au moins. Mais bon, Lingui pour moi c'est validé actuellement. Tu prends le tour en V1, tu fais ton taf. Bon, faut pas lui demander beaucoup plus, je pense. C'est vrai qu'on a eu le horn de chez Mec hier soir qui a été assez brillant dans la game.
pour reconnaître que le niveau a été relevé du côté de ce Horn. L'avantage au gold, vous voyez, hein, même au plus gros pic, c'était à 2013 gold. C'était ok, mais pas incroyable. Et quand ça fait que réduire, malheureusement, ça sent pas bon du tout. On avance, on est au même niveau de stuff entre les deux carriadés. Et pour moi, c'est là qu'il y a un gros problème. Tu commences à 3-0 puis 4-0 sur une Kalista, et au final, t'as le même stuff que la hache. C'est le stuff de Tukui qui commence à faire très très peur, quoique on a quand même une trinité du côté de DK. Mais là, ça y est, Tukui qui va avoir l'archange de débloquer, qui a en plus son Rayleigh, qui va être monstrueux dans la partie, qui va totalement empêcher la Kalista de jouer. Et Smiley qui fait une superbe game. Le nombre d'arrows qu'il a touché ici dans la partie, je l'ai pas vu en rater beaucoup. Non, il y en a juste une qui a été flashée tout à l'heure par Joko. Mais bravo, c'est flash quoi, du coup. Sa hache, elle est excellente, elle est sur 100% kill de participation pour le moment. Et pourtant, son early game a commencé par son adversaire qui prend 3 kills. Donc vraiment, grosse game encore une fois de Smiley sur après, il a un match-up positif quoi. Ça aide aussi, DK qui va être la partie, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Stopwatch qui est disponible, t'as 4 joueurs autour, la flèche de cristal, encore une fois elle touche, mais bon, là ça semblait assez simple. Lingui de la top lane, l'appel de la forge qui va essayer de repousser les adversaires, la vidéo de Joko et de Sadie en back, elle va se prendre des kills. Joko, le kill sur Shinbis, Tukui qui va tomber aussi, ça va être un shutdown de récupérer double kill pour Joko. On est en train de se fier du côté du jungler émérite DMCES. Pendant qu'au bot, Shemek va essayer de tabasser la tour tant bien que mal. Même réussir à la récupérer ici, les gamers Origin qui veulent décaler sur la mid lane, pourquoi pas positionner le héros de la faille, mais ça me semble très ambitieux pour Blurzor. Certes, on a Dive DK, mais DK a gagné assez de temps pour son équipe puisse arriver. On fait une belle punition pour la MCS, on récupère des kills, on perd certes une tourelle. Par contre, faut pas perdre la tourelle mid lane. La tourelle mid lane qui devrait être défendue ici, on s'est un petit peu oublié du côté des MCS. Oula, la et ça a forcé une téléportation de DK. Est-ce que vraiment il peut la défendre? Parce qu'il n'y a plus de plaque, hein. Il n'y a pas de plaque, DK ça court vite, allez hop. La bonne pioche, les atouts, le problème c'est que DK ici il peut se faire dive évidemment, c'est une terre, Blurzor n'a pas peur. Et la destinée ne sera pas suffisante, Tréton récupère la tourelle, il y aura un deuxième coup de tête normalement du héros de la faille. Pendant que Sadie au top récupère un peu de ressources, arrivé de Joko par contre et de Lingui. Est-ce qu'on peut le faire? Flash out de la part de Smiley, Sinbis qui amène la lanterne, Oops qui va tenter le concept de retenir Smiley. Très bonne pen captade de la part de Sinbis qui nous fait un super trash dans cette game d'ailleurs Tréton. Et Smiley qui essaie d'enchaîner ici, qui met beaucoup de dégâts sur Lingui, mais est-ce que ce sera vraiment suffisant? Le fly est excellent, il vient de cancel ici le E de Lingui, on enchaîne, on in du côté des Géo, on veut continuer sur ce qui se fait tabasser pour le moment. Shemek, très belle téléportation. Et il arrive en backup ici, le kill qui va être laissé. Est-ce qu'on laisse à Smiley? Non, c'est Shemek qui le prend. Pourquoi pas, sur un compte, tu le rentabilises aussi. Black Cleaver, Death Dance après un vu en stuff hein, pour Shemek. Excellent choix, des points de vie, la réduction d'armure, donc de l'aide pour Smiley, plus du sustain, plus de la tankiness. Ouais, je suis satisfait. Mais c'était pas une téléportation de Shemek, il a juste couru en flank ici. Et écoute, Smiley, j'avoue que sur H, il fait un taf de fou. Hier soir, il a été impressionnant aussi. Et Austin Beast sur son trash, écoute, bon. On était d'accord qu'il nous avait pas montré de super prestations. Il touche toutes ses peines capitales, les flays, tout, il est super précis. Bonne lanterne aussi. Ouais, très très bonne lanterne, je te rejoins. Bah écoute, c'est un joueur qui step up, qui est en son champion de pool, a raison évidemment, parce que trash c'est un pic important à maîtriser. Tu dois absolument l'avoir. Impressionné par Smiley, son kiting sur la dernière action. On enchaîne du côté de Tukui, on va aller récupérer 7T en top lane. La dernière qui tient du côté des MCS, du coup il devrait la prendre sans trop de soucis. Et maintenant est-ce qu'on joue pour le prochain dragon ou plutôt pour le baron Nashor? On l'a dit, les deux compositions peuvent le faire très rapidement. Un trou de vision et le Nashor est parti et les MCS qui sont tous bot side, c'est dangereux. Ouh ouais. Ouais, on n'a pas de Nuandri pour l'instant du côté de Tukui, mais bon, ça empêche pas Cassio avec son spam. Ça reste diablement efficace. Et Smiley sera H tellement beau comme pic, la destinée. De DK, on repère où sont les adversaires. Tukui. Il va peut-être pas la claquer du tout hein, ici. Quoique, ils sont 5, hein. Ils sont 5, regardez. Il va les bloquer au niveau de la jungle, il va essayer de remonter au niveau du. Ah non, il remonte pas au niveau du tribouche. Ah mince. Bon, c'était juste histoire de dire je l'ai utilisé, on les a vus. On va pas laisser le CD comme ça tomber. Chez Mec, donc il a toujours sa TP, on l'avait dit tout à l'heure. Hein, et qui a acheté des pings. Il a quand même un item d'Oran, mais il a acheté des pings, Tréton. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est beau. Les gamers Origin qui achètent pas mal de ping dans ce mid-game, qui vont essayer de contrôler la carte au maximum. Blurzor qui joue autour de Tukui ici, Tukui niveau 13 et on voit les dégâts de Smiley de Tukui. Et ça va ne faire que grimper maintenant, ces deux carry qui sont tellement faciles à jouer maintenant pour eux. Il faut juste disengage le premier ultimate de Horn, le premier all-in du Nautilus. Et si on arrive à le faire, derrière c'est des teamfights totalement gratos. Et il y a un trash en plus qui pour le moment joue très bien pour les y aider. Mmh. Tout le monde joue très bien en fait côté Géo, hein. J'avoue que... DK va avoir du mal dans sa game, je pense. Hmm, je pense que DK va avoir beaucoup de mal dans sa partie. Bah, c'est pas comme s'il allait mettre des dégâts énormes à distance en plus avec ses atouts. C'est vraiment un build all-in qui allait avec le feed de Sadie qui aurait dû all-in. Enfin, là, la game des MCS, pour moi, c'était all-in la botlane et on croise les doigts. Alors, il reste l'option évidemment de Joko qui est pas trop mal dans sa game, qui part sur un Rabadon. Oui. Mais est-ce que ça va être suffisant pour gérer les Gamers Origin? Je suis pas sûr. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas assez de dégâts pour forcer Smiley à prendre de la RM. Ça arrivera évidemment dans quelques levels. Mais Baron Nashor qui peut tomber tellement vite que les quelques levels n'arriveront peut-être jamais.
On ne sait pas encore. L'apparition du dragon ici, Schema qui va essayer de contrôler la rivière. On est en place du côté des Gamers d'origine. Les MCES, est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Il n'y a pas de prix au niveau du mid. Hein. Smiley a pas de flash pour l'instant. Smiley a pas de flash, c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer du côté des MCES, essayer de one-shot cette hache. Ils ont de leur côté tous leurs flash, à part Lingui. Mais là, cette hache qui doit être punie, qui en plus est sur le même endroit que Huslin, il faut punir la hache. Voilà, destinée Burzor, voilà, faut partir avec les copains ici. Et c'est une nouvelle destinée où on essaie de voir si on a des options qui s'ouvrent du côté de DK. Mais il n'y en a pas, par contre, l'appel capital qui va toucher instantanément sur Lingui qui est prêt à partir. Lingui qui va trouver le coup de Tuku. Le regard de la Médus qui est excellent. Joko qui va se faire rect malgré l'exo qui a été positionné. Double kill de la part de Tuku ici. Moops qui se fait chase. Le flash in de Shemek. Le cyclone et Sadie de Voyou aussi tomber. Quoique très bon kiting de la part de Sadie. Arrivée de DK sur le côté. La gold card, ça va toucher. Shemek, est-ce qu'on peut prendre le kill? Sadie, ça ne passera pas. Smiley par contre qui se retourne sur DK. La BRK qui est claquée. Smiley qui va pas pouvoir aller jusqu'au bout, flash out de DK, mais ça fait 2 kills, ça fait un baron d'Achor qui tombe là peut-être. Très certainement, on a plus Joko, on a plus Lingui, mais là une téléportation de Lingui dans 13 secondes, ça peut être compliqué de faire ce baron d'Achor. Quoique, on le laisse du côté de MCS, on n'ira pas le contester, on va juste récupérer le dragon pendant ce temps-là, et les GO qui montrent encore une fois qu'en teamfight, ils sont supérieurs. Ouais, ouais, l'étape de 2 QR, pas que. En fait, c'est vraiment un groupe d'équipe, c'est les 3 autres joueurs qui créent de la place pour les carries. Parce que Tuku il était sous Exos mais il a pu forcer sur Joko. Pourquoi? Parce que les adversaires étaient bloqués par ses alliés. Hein. Et c'est ça qui est impressionnant vraiment du côté des Gamers d'Origin, c'est tout cet ensemble qui arrive à bien gérer les fights. C'est digne des plus grandes équipes. QSS du côté de Smiley, à la fois évidemment anti-CC et de la résistance magique qui va commencer à devenir nécessaire. Joko vient de récupérer le Rabadon. Classique, plus de dragons à jouer. Il y a une tour Elbot, il y a une T2 top. On n'a pas de TP par contre du côté des Gamers d'Origin. On peut vraiment aller jusqu'aux inhibiteurs, ça semble compliqué quand même pour les GO. Déjà récupérer les deux T2 restantes serait une belle opération avec leur baron Nashor. Récupérer aussi tous les camps de Joko, l'empêcher de continuer son scaling. Smiley qui peut maintenant s'avancer, qui lui a son flash. Il pourra maintenant faire un fight très agressif. Tuku qui va aller push la top lane, on va jouer mid top du côté des GO. On récupère de la vision et pour le moment ça se met bien en place pour ce baron Nashor. Quelle sera la réponse des MCES? Ils acceptent de concéder à T2, ils essaient de gagner du temps. En espérant que leur T3 survive, surtout. On va essayer de push. Oh, ils veulent pousser au niveau du mid pour forcer les GO à revenir. Mais là, on a une flash de cristal, justement. Moops qui est pas parti une fois de plus. Osindis qui avance la peine capitale. Et ça touche, mais c'est sur Joko. C'est excellent. Joko qui est forcé au flash avec les dévastations. Il est plus à portée maintenant. Moops qui est dans la mêlée en train de tanker. Tant de Yakman. Smiley qui est extrêmement bien placé. Tukui qui est prêt à partir par Lingui. Le bomb, ça va toucher. Mais il y a déjà un kill de récupérer. Le cyclone sur Lingui. Black Liver, ça proc. Deuxième kill de récupérer. On va peut-être pouvoir enchaîner sur Lingui. C'est qui se fait chase par Shemek. De toute façon, autant push au niveau du mid là pour les GO. Hein. Oui, Shemek qui devrait terminer les sans trop de soucis. Quoique Lingui, une téléportation et pourrait TP s'en aller, il va flash out, il a toujours la téléportation avec son orange, le mec qui continue le chase ici, et les Gamers d'Origine qui veulent terminer la partie. Lingui, ça y est, utilise sa téléportation, le mec ne peut rien y faire. On va juste récupérer un inhibiteur, récupérer une top lane, en tout cas c'est le plan de Tukui. Mais les Gamers d'Origine qui enchaînent bien, qui ont très bien teamfight. Huslin, belle peine capitale. Complètement, la flèche de cristal de Smiley en plus qui permet l'engage. Mais ouais, le fait d'avoir chopé Joko et de l'avoir sorti du fight dès le début, c'est le plus gros damage dealer de sa team actuellement, Joko. Et forcément, oui. Quand tu sors avec un flash, bah, y a plus grand chose à faire. Côté jeu, on arrive à jouer très agressif. Ils ont juste dû attendre un petit peu de scaling dans la game. Et ils ont repris très très vite le contrôle. Et je pense que ce héros de la faille qui est fail du côté d'MCES, ça les met vachement au fond. Parce qu'en termes de snowball, sinon ils auraient pu récupérer de la tourelle. Et si tu continues de faire croître l'avantage au gold, essayer d'appuyer encore plus sur cette Kalista. Mais ce vol de Blurzor a été assez monstrueux. Ce vol de Blurzor, ce fail de Joko, voyez ça comme vous voulez. En théorie, c'est plus un fail MCES, qu'on soit d'accord. On va revoir le fight ici, mais même aussi peut-être qu'ils auraient pu dive, ils auraient pu être plus agressifs autour d'une Kai'Sa qui était en 3-0, qui était tellement fed. Ils auraient pu aussi juste dive sur la botlane, c'était encore plus safe que de récupérer l'euro de la faille. Alors qu'on voit ici l'engage qui était très très bonne, le hook qui connecte directement sur Joko qui doit flash out dès le début du teamfight. Ils n'ont plus de Karthus, tu l'as dit, c'est le plus gros des DPS. Je n'ai déjà plus dans le teamfight, d'ailleurs on enchaîne avec Smiley et Tuku qui se permettent de DPS. Tuku qui va chercher directement, qui ne perd pas le nord et qui va sur Sadie, qui le focus, qui vient le terminer, absolument rien à faire ici pour le carry AD italien. On enchaîne très bien. Gamers Origin, il y a des problèmes en early game, il y a des problèmes en mid game en termes de rotation. Oh. Par contre, les teamfights, ils sont toujours présents. C'est ouf. Hein. Game bien maîtrisé pour l'instant. Et bon, le pour l'instant, je pense que ça va aller jusqu'au bout de la partie. Je vois pas les MCES remonter, je vois pas quelles armes ils ont. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de destinée au niveau de la bot lane pour se dire on dive, on appuie sur Sadie, des trucs comme ça. Il n'y a pas eu de forcing. Et autre intérêt, c'est-à-dire que même si pour les jeux, la game s'était un peu plus mal passée que ce que ça a donné. Ils ont une composition qui leur permettait de faire un front-to-back au cas où au niveau des teamfights. Ils avaient de quoi tomber les tanks hein, comme hier, même plus parce que cette fois-ci, bon bah tout coup il est sur une Cassio, ce qui est un peu plus simple. Et on va récupérer la T2 au niveau du bot, on va pouvoir enchaîner après.
zoner les adversaires au niveau de la T3, faire un petit camping, cool. Phase de siège et oh, back de chez mec, il a pas de TP disponible. Non, il a pas de flash, hein, c'est dangereux. Oh, attention, Tukui qui est tout seul ici, qui est prêt à partir à perdre de la frappe de la part de Mugwes pour aller jusqu'au bout sur Tukui. Sadi qui prend des dégâts colossaux, Sadi qui tombe à flèche de Tukui, ça se retourne sur Moops. Regardez ces HP, comment il fonde. T'as une H et une Cassio, Lingui, ça va être exactement la même chose pour lui, malheureusement. 3 joueurs de mort du côté des MCES, c'est la game. Traiton, DK et Joko à eux deux pourront pas faire grand chose. Ouais, ils ne peuvent absolument rien faire, on essaie de prendre la wave ici, DK qui se fait prendre à partie, très belle peine capitale du côté de Huslin. Et on va terminer cette game sans trop de soucis, il reste un creep et Tourelle devrait prendre ici, Tukui qui vient flasher Njoko. Njoko qui est condamné évidemment ici par la Cassiopeia. On va chercher dans la fontaine, Tukui qui enchaîne, c'est live du côté des Gamers Origin. Ouais. Et c'est la seconde victoire de la semaine. Malgré des heures les games compliquées, les Gamers Origin sont présents et extrêmement forts en teamfight. Elle est bien plus rassurante cette game que celle d'hier quand même. Je pense que ça leur fait du bien. La hache de Smiley qui est à ban à mon avis, qu'on soit d'accord, hein, c'est bon. Wow. Le piqué, il est impressionnant dessus. Tukui, on connaissait déjà sa Cassio, pas de soucis, chez Max Rukong il a fait de bons flancs et tout. C'est vraiment un ensemble du côté de cette équipe, Austin Beast sont très chez validés. Oui, c'est la première fois qu'il fait une game vraiment convaincante ouais, sur Thresh. Ouais, complètement, et je t'avoue que je suis agréablement surpris du joueur. Ça marche bien du côté des JO, il y a juste leur lit où effectivement je te rejoins. Ce petit move au niveau de la botlane où il y a un forcing, mais Tukui il n'y a plus de mana, du coup lui ne suit pas et tout. Même en mid-game, les rotations, comme ces Gamers Origin, on attend évidemment beaucoup d'eux, c'est oui. Les champions de France en titre actuellement. On veut les voir au même niveau que du LDLCL, on veut les voir vraiment au top du tableau de LFL. Et c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu en mid-game de la vision qui n'est pas super bien posée, des rotations qui sont un petit peu lentes. Mais en teamfight, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a quasiment. Ils s'entendent très très bien, ils jouent très bien ensemble. Ça go in, ça go out. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Et tu l'as dit, je pense que H sera ban contre les GO. En tout cas, plus jamais de blend pick Kalista. Alors que ouais. Smiley a la H de c'est... Non mais c'était bizarre déjà au niveau de la draft. Après H, c'est rigolo parce qu'on parlait l'autre jour avec Chips. Après, vu dans les... en Occident, c'est pas un pic ouf. En c'est Orient, c'est un pic qui est tout le temps récupéré. C'est dans les plus joués vraiment. Et avec un win rate qui est positif, hein, on est 55% je crois en LCK. Dis-toi quand elle le sait sur 8 games. 0% win rate. Ouais, c'est incroyable, je trouve. C'est oufissime. Mais le pic, c'est très méta, hein, qu'on soit d'accord. Le LEC, c'est sur 8 pics. Dans les autres régions, c'est du 100 et quelques pics. Donc, on n'a pas la même jauge. Ça marche bien. Ça gère très bien les Kalistas. Je pense que le choix n'était pas bon. La Caitlyn avait été ban, évidemment. Mais tu as d'autres options. Tu as Jhin qui gère pas mal H aussi. Alors, évidemment, il faut être très fort avec Jhin pour le coup. Il faut réussir à toucher toutes les floraisons mortelles. Mais c'était pas mal. Bonne gamme des GO. On se rassure. Mais on va pouvoir analyser un petit peu plus tout ça avec notre partenaire analyste. Chips, c'est à toi. Merci Gardou, merci Traiton. Messieurs, victoire de Gamers Origin. Qui de mieux pour en parler avec nous qu'un membre éminent du coaching staff, Glopo, qui est là, bien entendu, avec Rakmo. On va revenir un peu sur la draft déjà. Bon, elle est affichée là. Glopo, tu as affiché ta confiance après la draft, notamment vis-à-vis de vos match-up. Ouais, je pense qu'au niveau de la draft, on s'en sort quand même très très bien. Je pense qu'on a réussi à vite s'adapter au first pick de Kalista, qui nous a un peu surpris, pour être tout à fait franc. Et puis ce qui m'a surpris aussi, c'est le triple kill que prend Sadji au début. Il a fait un super play, ce qui aurait vraiment pu nous gêner là-dessus. Mais ouais, au niveau de la draft, à mes yeux, je pense que le scaling était quand même largement en notre faveur, surtout qu'il y avait quand même énormément de dégâts magiques dans la composition d'MCES. Après, bon, dans l'application du plan de jeu, il y a encore des choses à revoir, mais... Overall, je suis quand même assez content. Et je veux quand même rapidement passer une mention spéciale à Lingui qui fait sa première game en LFL et qui s'en sort quand même super bien. Il trouve un super cancel de TP sur chez Mec en étant archi loin en utilisant son ultime. Et ça me fait plaisir parce que Lingui, c'est un joueur que je connais depuis un petit moment en Division 2. Et je suis content de le voir avoir sa chance en LFL et le voir s'en sortir aussi bien. Je pense que Krakmo, t'es d'accord. Concernant Lingui, je trouve qu'il a fait une bonne entrée en LFL, même s'il n'a pas gagné la partie. Je trouve qu'il a bien joué. Il y a la cancel TP, il y a aussi ses fights. Pense au bump top lane et son ulti qui ont permis de faire double kill. Donc voilà, et Sadi qui nous fait quand même une bonne game. C'est clean hein, son move là. Enfin, ouais. Après, Géo s'empale un peu. Géo s'en parle un peu, mais j'ai pas vu Sadi faire d'erreur de positionnement comme il avait l'habitude d'en faire. Et pas facile comme game contre Cassiopeia, Trundle, etc. C'est vrai que moi j'ai du mal avec les first pick Kalista parce que c'est un pick qui peut être gêné par de nombreux picks. On l'a vu hier, il y avait Skarner, Ezreal, Leblanc, c'était compliqué pour Kalista de DPS, même si elle était bien dans sa partie, même si Jésus était bon hier dans Misfit contre LDLC. Et là, Sadi était bien. Mais en teamfight, c'était vraiment compliqué pour lui de jouer.
Il y avait une Ashe, Trundle, Castio, c'est vraiment l'horreur pour Kalista. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? C'est compliqué à dire, mais je trouve que il a fait une bonne game et c'est à noter. Là, on voit le vol du Herald, alors qu'il n'aura pas rapporté grand-chose finalement au jeu, on l'a deny. Mais ouais, Glopo, on a vu des contestations hasardeuses un peu de la part de Géo en early game. C'est un peu le problème parce que on voit qu'en teamfight, quand même, ça fonctionne bien. L'équipe est dominante, mais en early, il y a eu le play là où on force finalement la contestation du Scuttle alors qu'on est dans une position un peu difficile. Du coup, Sadi joue bien le coup, mais il prend un triplé. On aurait pu éviter ça du côté des Geo. Pareil, ce Herald, c'était hyper dangereux comme situation. J'ai l'impression que c'est un peu l'écueil pour vous, ces situations d'early game, où vous voulez tout le temps les jouer finalement. Complètement. Je pense que l'équipe manque encore un peu de lucidité. Ils ont encore un peu du mal à analyser la situation, à comprendre quel est vraiment le plan de jeu dans sa globalité. Ils n'ont pas le big picture, ils n'ont pas le recul, je pense, sur quelles sont vraiment nos conditions de victoire. Et du coup, parfois, ils s'emballent peut-être un petit peu. Là, ça aurait pu coûter très cher. Et en réalité, le vol du héros de la faille qu'on fait sur une morsure de Trundle, qui est vraiment incroyable, on a beaucoup de chance là-dessus parce que une compo Kalista qui snowball en prenant les objectifs neutres, en prenant un premier héros de la faille qui va faire sauter des plaques, qui va faire sauter potentiellement une première brique, on aurait pu le payer très très cher. Donc, on a gagné, mais on ne fait pas les malins. Alors, on a vu le cancel de TP et Krakmo, la situation où Lingui n'avait pas de TP, donc il ne pouvait pas aider son équipe. Et il arrive à cancel chez Mec, qui est quand même monsieur expérience. Bah, il a eu une très très bonne lecture à ce moment-là, et voilà, donc il nous a fait un magnifique cancel TP. Juste le boss. Ouais, c'est le boss, Lingui le boss. Bon, du coup, on a un autre play dans la foulée, messieurs. On se retrouve en late game parce que ça a été toutes ces aventures d'early game. Mais Géo s'est parfaitement remis finalement, Glopo, et a commencé à activer sa composition en team fight. Et là, on a le dernier fight où on sent bien que c'est difficile quand même d'attaquer votre Drat. Pour la Kalista, pour le Karthus, c'est difficile d'approcher. Pourtant, Sadi essaie, hein, il donne tout, mais Géo qui tankait trop et qui était à son pic de puissance. Je pense que là, on voit bien que notre draft contre une Kalista, on s'est très bien adapté. Et je pense qu'on a le scénario parfait pour l'illustrer. Quand tu as une Kalista qui est en 4-0 en early et qui, malgré tout, n'a pas le droit de jouer la game, je pense que ça veut clairement dire que la Kalista était échec et mat en phase de draft. Il y avait d'autres menaces, peut-être, avec un TF, un Karthus, mais encore une fois, la surabondance de dégâts magiques dans leur composition sur une game qui pouvait durer longtemps, ça, dans tous les cas, ça allait se retourner contre eux, donc c'était pas facile. Et du coup, on a vu l'adaptation de DK d'ailleurs, Krakmo, qui est parti sur un build plutôt hybride, Trinité, build que je déteste, traitons l'a rappelé, mais c'était peut-être bienvenu vu la draft. Vu la draft, c'était bienvenu, mais contre la composition adverse, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée parce que TF, il a une range d'auto-attaque qui est pas énorme. Et Le jouer AD, ça le force à jouer sur ses auto-attaques et du coup, il a du mal quand même à s'illustrer, je pense. Donc, c'était pas forcément un bon choix. Par contre, j'ai beaucoup aimé le choix du Karthus jungle pour Djoko parce qu'on en parlait pendant le pré-show. Djoko a beaucoup d'avance en moyenne en gold, notamment. Et c'est le champion c'est un des champions sur lesquels il peut transitionner son avantage en gold en mid-game, en late-game. En levant les bras. appuyant sur R. Ça n'a pas marché cette partie, mais je trouve que c'était intéressant comme choix. L'idée est intéressante, mais après la draft autour, comme Glopo le disait, beaucoup de dégâts magiques quand même. Donc à ce niveau-là, peut-être qu'il n'était pas entouré de la meilleure des façons, mais effectivement, en termes de transition pour carry la game, on peut se dire que c'est le genre de champion qui peut être intéressant pour Djoko. Le bilan des dégâts, messieurs, les carry Géo. Bon, c'est la bonne note, Glopo. Ouais, c'est la très bonne note, quand même. Ouais. Ça a brillé. Clairement, c'est une game sur laquelle ils peuvent se faire plaisir. Et à la fin, on voit Tuku qui marche tout seul dans la base adverse. Ils savaient qu'ils avaient le lead et ils sont fait plaisir. Et du coup, d'ailleurs, on remet le titre. On n'aura pas d'interview après ce match, mais on a quand même désigné un MVP, messieurs, et il fait partie des carries. C'est le joueur qui a fait le plus de dégâts du match. On ne le savait pas en le désignant MVP, mais on a beaucoup aimé la game de Smiley parce qu'il est parti face à une Kalista qui était à 3-0. Il a quand même réussi à s'accaparer des kills, à faire son boulot en teamfight, à briller, à zoner. Non, c'est donc chez Mec, le MVP. C'est aussi Smiley. Voilà, Smiley. On a envie de donner le MVP à tous les joueurs de Géo, mais on a choisi Smiley. C'est très dur dans ces moments-là, parce que si on regarde par exemple les teamfights... C'est les stats d'hier, ça. Il y a tout le monde qui joue bien en teamfight.
Il y a tout le monde qui joue bien en teamfight et je trouve que Géo a une science des teamfights que les autres équipes n'ont pas forcément. Mais c'est vrai que ce Smiley, ce petit truc en plus, et il a ses teamfights et avec ses arrows, il a vraiment été décisif. Donc vraiment, je pense qu'il mérite ce MVP, même si Chemek l'aurait mérité aussi et Tuku l'aurait mérité tu aussi. Tu l'aurais donné à qui, Lopo? Ah, je te mets dans une situation pourquoi difficile, tu vois, tes joueurs. Des questions comme ça. Disons, est-ce que t'es OK avec ce MVP? En vrai, oui, ça me va très bien. C'est vrai qu'il sort une game de... Comme je l'ai dit, hein, la phase de lane est pas facile. Quand tu te retrouves contre un adversaire qui a récupéré 4 kills, plus un double buff, en tout cas au moins un red buff au minimum, il s'en sort quand même admirablement bien. Et bon, c'est une deuxième game de H, très convaincante pour Smiley. Ouais, voilà. Donc mais tous mes joueurs sont des boss. Très bien, très bien. C'est dit, Glopo n'a pas de favori. Il n'est pas comme ça. Donc voilà, bon, c'est terminé pour ce débrief, messieurs. On va se laisser et on se retrouve dans la foulée pour le match suivant. Easy Dream Solari, je l'avais perdu. Easy Dream contre Solari après la pause sur le gaming et ES1. À tout de suite.